No. Ça commence sur Péo qui va. Let's go! Juste pour mettre en contexte, Philippe n'est pas là. Philippe euh, est dans l'avion en ce moment. On l'aime beaucoup. Euh, on t'aime beaucoup, Philippe. Alors que Philippe est en France, on continue de. Conquérir. Traîner. Conquérir la France, vrai. Il ouais. va conquérir la France. Comme on l'a dit dans l'épisode précédent, il va conquérir la France comme Hitler et on souhaite que ça finisse autrement. Voilà. <rire> <rire> merci, merci Péo de rire à mes vieilles blagues. C'est gentil. Péo, bonjour. Salut, ça va? Merci d'être là. C'est quand la dernière fois que tu t'es levé à cette heure-là? Ah non, je me lève tout le temps à cette heure-là de cet incite. Parce que j'ai des rénovations chez nous. Ah, oh tu ouais. rénoves quoi, je veux savoir? Le loyer au-dessus. Ah, oh, t'as fait de l'argent? Non, mais c'est ma belle sœur qui aménage. C'est pas une, une. Comment on appelle ça? Une rénovation? Ah, oh, dommage. Je suis pas là-dedans. Moi, je suis plus dans accueillir la famille, les mettre bains. Je suis plus comme dans l'altruisme immobilier, un peu. Là. Ça À part existe... que... ça, ça existe pas, ça. <rire> <rire> oui, oui, Vous êtes oui, genre 11 à faire ça dans la province. Mais tu peux accueillir quelqu'un? Euh, ou sortir la personne en haut juste si c'est la famille qui rentre. Exactement. Fait que vous avez sorti la personne en haut. Bah! bah! <laughs> c'est pas <laughs> Regarde, on jouera pas avec les hauts. Bah, oui, mais c'est ça. C'est fait <laughs> bye-bye la belle-sœur. Mais copropriétaire, ma belle-sœur, c'est pour ça aussi. Ah, c'est bon, pas juste genre, fallait qu'elle habite dans son, sa propriété. Bah, mais oui, ouais, c est, c est ça peut être logique à certains moments. C'est ça. Fait que voilà, fait oui, je me lève tr très tôt, puis je suis content d'être ici, tout le monde. Ouais. Merci d'être là. <laughs> on n'est pas en radio, on est hein? pas de face en blague, on est heureux. Il n'y a pas de ligne ouverte, rien. Ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Ouais, quoi, là, Mais on on faire ça. C'est pour ça que c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Mais ça ne peut pas être pire que Fabi la nuit. Fabi, la... des fois, je l'écoutais, puis à la fin, il était fatigué un peu. <laughs> hey, à la les... fin, il couple ouvert, les dates en oui. appel. Ah, je veux pas entendre... Oui, entendre la voix de ce monde-là, c'est spécial. Ce ouais. serait cool. Là. Je suis d'accord. Euh, ouais. Tu peux poser des questions davantage en savoir plus. Je, je lance une perche. Ah, bonne idée. Hey, la nuit. Pour, euh... Oui, la nuit, parce que tu le matin, a de... personne le matin... <laughs> qui non, peut mais c'est ça, pas. la nuit, avec des gens, pas à qui t'appellent, tu sais, c'est encore mieux. Je peux juste être bon. Mais mm -hmm. les dernières dates que j'ai eues avec vous autres, honnêtement, je me suis pas dit... Tiens, tiens, j'aimerais en savoir plus. <laughs> ah! Vraiment. Mais ça, on va en savoir moins si t'es gentil. Il y a plus de, de détails que j'en ai, espéré. Je »« Mais merci beaucoup d'être là. Merci, toi <laughs> aussi, oui est Vous re vous rencontrez pour la première fois? Non. Non. Il a fait je... le prochain stand-up. Ah, ouais. c'est vrai? Ouais, ouais, ouais. 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 T'es super bon. En es... Plus. Ok, génial. Parce que je veux parler de la télévision québécoise. Euh, T'as-tu aimé ça faire première, le prochain stand-up? Ouais, c'était très le fun. Mais on s'est rencontrés, tu sais. Ben oui, c'est peut-être pas pour ça que c'était le fun, mais t'étais bon. Ouais, c'était le fun. Je pense que si t'es. Tu sais, mettons, tu fais une émission de même et t'es bon. Ça marche. C'est cool. Tu t'es rendu loin, me semble. Ouais, ouais, ouais. Final. Ouais, ouais. Ah ouais. ouais. Qui t'a, en guillemets. J'ai dit finale, mais demi-finale. Mais... En guillemets, qui t'a sorti Je me rappelle plus. Char Charles-Olivier, ben, c'est parce que, tu il m'a amené. Ah, c'est bon pas. Bon. Charles-Olivier. C'est Charles-O. Saint-Cyr. Saint-Cyr. Char ouais. Charlo Saint Saint ouais. <laughs> tu en veux-tu <laughs> Si je lui en veux <laughs> de l'avoir sorti de la compétition. Ah, tu l'as sorti, mais qui l'a ah, sorti ah, c'était genre un vote du public à la fin, on était ben, comme tout le monde. Ouais, je veux ça. pas que le public s'en mêle. Ça, ça c'est l'année d'Alex Bizaillon. C'est ça. Ouais, ouais. ouais. C'est quoi, quoi ta, ta première gig télé? Première gig. bonne question. Aussi. Boomerang. Peux-tu rappeler à tout le monde c'était quoi? Ouais, c'est quoi Boomerang? C'était une série euh, télé qui a eu comme quatre saisons, je pense, avec Antoine Bertrand et Catherine Anne Toupin. Ouais. Marc oui. Messier. C'était sur leur vraie vie. En plus, c'était un couple dans la vraie vie, puis c'était tiré de leur. Bah, ben, oui. je pense pas que c'était tiré de leur vie, mais c'était en tout cas, c'était vraiment une série euh, familiale, mettons très humoristique. Ça a bien bien marché. Je faisais une amie de, <laughs> une amie d'Antoine Bertrand euh, qui l'aidait. Je travaillais dans la cuisine avec au resto il travaillait, puis je l'aidais à ouvrir son food truck. Ah, <laughs> c'est ton rôle. mon rôle. Moi, j'avais pas. Euh, avais quelques... beaucoup de scènes avec lui. Un genre de sept jours de tournage, j'étais bien, bien nerveuse, tu sais. Toutes as les as grands acteurs. T'as-tu fait des erreurs d'amateur? Genre, tu appelé, mettons, dans une scène, tu appelé Antoine, les affaires de main? Non, j'ai pas fait ça, mais mettons, je le sais que j'étais pas dessus, là. Ouais. Tu sais, quand tu joues, pis tu fais. Euh, on tournait le matin vraiment tôt, puis c'était toutes les scènes de ruelle où on fumait des tops. Puis c'était pas des vraies cigarettes. C'était ah des cigarettes de, 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 de jeu. C'est comme un genre. Est-ce que ça goûte mieux ou pire? C'est pire. C'est ah. ça... ah, raide. Puis après ça, tu sais, mettons, je suis arrivée chez nous. Je veux dire, mettons que j'ai commencé à 5h30 puis que je suis arrivée chez nous à 11h. J'ai dormi toute la journée comme j'étais hangover. Wow. Tellement. À cause des J'avais fumé puis ça m'avait asséché puis j'étais comme fatiguée, terrassée par la fausse cigarette. Ah. Mais pourquoi ils font. Chris, il devrait vous laisser fumer des vrais smokes dans ce cas-là? Ben, c'est sûr que, que 15 clubs, back-à-back, -back, ça peut étourdir un minimum du mal au cœur. Oh, j'ai ah, un message ah, ouais, de Steph. Ouais. Elle hein? t'a pris des cigarettes. C'est les pires cigarettes qu'elle n'a jamais fumées. Quand est-ce qu'elle m'a. Ah ouais, hein? Oui, tu sais qu'on a passé tout le temps, t'étais sous, là. Mais tu donnais des cigarettes. Pourquoi tu c'est à moi, même écrivez à Philippe Maurice. C'est pas moi qui ai fait la recette. c'est toi qui les achètes. Pourquoi t'achètes des cigarettes qui rendent malade? Il y a pas beaucoup. Dans le domaine de la consommation, il mm n'y -hmm. a pas beaucoup de. de, de la loyauté d'un fumeur envers sa marque, ça se réplique pas dans, dans l'automobile, dans rien. <laughs> Les fumeurs sont tellement loyaux envers leur marque. Puis moi, c'est Philippe Maurice Original King Size. Je vais en prendre un paquet de vin et je reviens demain matin. C'est que tu dis ça parce que. Demain matin? Non, pas demain matin, dans deux jours. Dans à l'école de l'humour, Sébastien Ravary fumait des Phil Jackson. Qui sont, à mon avis, les pires cigarettes? Peter Jackson? Peter Jackson, mon avocat. Peter Jackson, moi, je suis. Non, mais moi, comme... erreur, ça, a mes... ça a été mes cigarettes dans le temps que je fumais. C'est ça. Mais fait, euh, Sébastien Ravary, m'a amené. Il gagne très bien sa vie. Il a écrit des films. Il a collaboré avec Patrick QR. Fait gros salaire. Je l'ai recroisé. Il fumait encore des Peter Jackson. Ah, Rien mais tu l'as jamais. Dit? Puis moi, j'ai battrippé parce que là, Peter Jackson est devenu euh, euh, Malboro. Ah! Puis tu sais, là, moi, ça a été racheté trois, quatre fois à la fin. C'était Malboro riche. Puis ça te faisait chier un peu? Ben on dirait que ça j'ai jamais, jamais retrouvé le goût que je il y a eu il y a eu changement en transfert Il ouais, y a ouais. eu y a, la recette a changé. Puis là ben je vais pas de ta place. Moi je fumais des McDonald's. Ah ouais, c'est ouais. fort ça. ça. Tant qu'à fumer, on le fait là. Quand on était jeunes, les gens disaient que les players ça faisait saigner le cœur. C'est un vrai. Coeur, contre, Au secondaire, disait, le monde disait non, fumez pas des players, ça ça se fait saigner le cœur. <laughs> C'était comme, comme ça. faisait pas tout saigner le cœur, puis oui, que oui. le cœur saignait pas de toute manière. Exact. Mais moi. Euh, ouais, si avais une commandite de cigarettes, l'accès tu Moi, oui. J'aimerais ça oui, être une des que <laughs> j ai, j ai une commandité par Eros et compagnie, puis Famous Play. <laughs> C'est sûr qu'il y a probablement beaucoup de gens qui suivent, qui paient le Patreon, qui ont des gens qui sont en fin de vie à cause de la cigarette dans leur entourage. <laughs> c'est donc triste ce que tu veux dire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ton podcast en fumant en dedans ça, les semaines. <laughs> il y a hey, beaucoup de qui dans ton. Il y a des gens qui fument encore en dedans. Ouais. 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 Oui, on ouais. les croise ces gens-là, puis on ouais. les sent. Oui. les ouais, ouais. Oui. croisé d'une allée à l'épicerie où tu fais Oh, des gens qui okay. fument à l'intérieur. Ouais, ben, ouais. oui Mais ils on peu. C'est moins. Il y, il y en a moins il y en a moins. Mais c'est horrible. C'est oui. Ouais, non, c'est dégueulasse. Mais ça donne un certain cachet. Toi, tu filmes tout notons ça non, 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 non. Okay. Non, je vais me prendre chez nous. Quand j'étais locataire, oui. Mais maintenant que je suis propriétaire, non. <laughs> Est-ce que tu prévois arrêter? J'aimerais vraiment ça, mais j'ai une alarme. Tu sais, la dépendance, c'est dur d'arrêter ça. Là. Ça a l'air que les héroïnomanes disent que la cigarette, c'est quasiment plus difficile. Je sais, j'ai entendu ça. Puis on dirait que je l'utilise pour me déculpabiliser, de pas je arrêter. Je suis comme ce c'est bien plus tough que les réveiller. Tu es reines. encore beau, puis jeune, arrête, fais le move. Ouais, je sais, je sais, je me dis ça. Mais toi, tu as déjà eu une addiction. Pile que la cigarette, bien sûr. Yo, t'es bon, bon pour non, faire des Non, pas de tant, man. Oh, c'était oh. gros bas, c'était dégueulasse. Euh, oui, j'ai fumé, mais ma vraie addiction <laughs> qui a duré des années. Faites le lien, là. Ouais, non, il était fort. Ma vraie addiction, c'était manger des Kleenex. Oui, tu nous as dit ça avant le je... podcast, mais là, c'est sûr qu'on réagit ouais. moins fort, ouais. hein, mais <laughs> je lancerais ma tasse. Manger des Kleenex, ça a duré des années, je pense. Ah, regardez, on parle de ah, f... milieu d'adolescence. OK, c'était vieux quand même. Jusqu'à. 20, 30 ans. Voyons, va chier, ouais. Thomas Leveille. Ouais. C'est Steph qui m'a dit. Va oh, oui, chier. Oh, C'est Steph qui te fait arrêter le oui, Linux. Ben, elle m'a dit, euh, gars, on va <laughs> vraiment. <rire> Mais Steph, vrai. Elle m'a dit pas Elle m'a d'arrêter qu'elle enceinte. Attends, Comme la clope, là? <laughs> Vous en ah, avez en... jamais parlé avant? Oui, mais j'ai dit, alors, oh, je vais. Veux... Non, non, mais parce que je le faisais en cachette. Non, je te parle, t'as 16 podcasts, moi, pis c'est là, là. Ouais. C'est nous qu'on a ça, ouais. là. C'est aussi <laughs> fort. C'est c'est weird. C'est aussi fort que quand tu t'étais fait pogner par un gars en te crossant sur ton divan, là, sur ah, ton oui, lit, là. C'est fort, ça, je m'en souviens. Euh, ça me sais, je m'en souviens, j'en pas. Comment tu vas dire? tu t'as remonté le couloir de la mémoire, puis tu te rappelles de ça? Est-ce que t'es en manque, des fois? Ouais. Est-ce que des fois tu regardes des cliniques tu fais ça, c'était ma sorte? Oui. <laughs> Parce que c'est comme la cigarette? <laughs> oui, oui. On oui. prend nos cliniques. Notre sorte, oui. c'était quoi, toi? J'aimais beaucoup, ceux qui qu'il y avait un petit peu de crème. J'aimais ça. Ah, je comprends. Ah, c'est dégueulasse. Puis <laughs> il n'y a pas de jugement là-dedans. Je euh, peux juger, pas de Mais problème. Pourquoi ah, tu faisais ça? Euh, L'anxiété. Ça calmait mon anxiété. Ça goûtait bon? Oui. Euh, il semblait que tout ce qui a rapport à la, à la cigarette, c'est un truc oral. C'est que tu besoin oui. d'aller des dans ouais. de ta bouche. Ben, ben moi, oui, oui, oui. J'amenais des Kleenex à ma bouche, je les mâchais, moum, 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 puis je les recrachais. Fait que quand tu arrivais chez moi. OK, tu les avalais pas. Avais, ben, quand tu en manges, tu en avales un peu ouais, ça ouais, Mais, ouais, mais ouais. je comprends. Moi, j'ai fait ça longtemps dans ma vie avec les pailles en plastique. Tu sais, mettons, tu vas manger ouais. au McDo, puis c'est pas une je la twistais, je la chouais, puis à un moment donné, ça faisait comme une gomme. Puis là, tu peux m'amener à intégrer, fait que tu avales des matières ouais, de plastique. plastique ouais. Et du pétrole, parce que c'est fait avec du pétrole. Fait que toi, tu n'y allais pas comme par petit bout, puis t'avalais. tu, ouais. tu, tu Je euh, Le coin et frites les kleenex. Ça prenait 6, tu, 7, 8, 9... Wow, wow. quest ce que tu, ouais. tu faisais pendant ce temps-là T'étais-tu juste assis sur une chaise Ouais. En train de bouffer des Kleenex? Ouais. Tu pas ouais. sur ouais. Internet. Mais ben ou... des fois, oui, mais des fois, c'était l'activité en soi. Des fois, c'était... En presse. écoutant le football. Oui. <laughs> Il mangeait des Kleenex en écoutant les ch les Chiefs, ouais. c'est la seule équipe que je connais. Ouais. Euh, fait que je mangeais ça et c'est euh, c'est capoté, hein. dit, Tu tu vois avec les Kleenex moi, je, honnêtement, je suis quand même content que moi et en ce moment, on soit pas rabillé. Moi, je suis maquillée parce que je pense que ça va passer à l'histoire, ça, puis je suis contente de ne de pas être trop dégueulasse. Mm -hmm. ouais. Ça va être viral, ce que tu viens de dire, là. Ça, je l'ignore. Euh, que... Ça n'a pas de bon sens, Thomas. Ça n'a pas de bon sens. J'aimerais ça aller... on allait chercher un Kleenex pis puis tu retombes. Ah, du coup, j'ai passé la même Moi, ouais. je peux, euh, on mange Je veux pas te boulier, mais t'en manges un là, même si là, maintenant, on arrête le podcast. Parce que si j'en mange un, ça repart. Ah ouais, ça hein. repart. T'es comme un alcoolique, là, Pareil, des... ah, pareil, ouais. pareil. Je suis là. Tiens, une bouée, des Kleenex. Genre, c'est comme la cigarette. Pour, être, pour ne jamais recommencer, il faut jamais refumer. Ouais. Moi, quand je refume, je trouve ça dégueulasse. Fumer. Mais les Kleenex, je sais que je vais aimer ça. Je sais que je le fais par amour dans ma famille. Parce que je connais Steph. Elle va dire, là, je sors de la maison. Puis ta fille, tu vas pas avoir souvent. Fait que je mange pas des Kleenex en pensant, j'aime ma famille. C'est capoté. Ouais. Puis c'est comme celle un peu euh, genre, parfumée ouais. Dove style. Il y en avait comme un peu ouais. qui sentent bonnes. Ouais. Celle-là avec du VIX un peu pour les, les narines. Oh, ça, ouais. c'est fort. Essayer. Ça, c'est fort. Puis je devrais ça. essayer. Juste, euh, oui. ben, ça, c'est comme les John Player. Si. C'est celle qui fait saigner le cœur. Ouais, c'est celle qui fait saigner le cœur. Ça fait saigner le cœur. Si Steph me laisse, je vais pas partir ça à go. Ah, tu boire. recommences le Kleenex! Kleenex, tout de suite. Je parle ah, Kleenex. Ouais. Mais il tu vas aussi recrosser pas mal. Là, ouais, ouais, je fais déjà ça. ça, ça. Ah, okay, okay. Je ne sais pas <laughs> comment plus me masturber. Pour <laughs> si tu me dis hey, de masturber plus, il faudrait un cas tête Tu masturbes pas tant que. Tu masturbes combien de fois par jour? Une à deux. Assurément, toujours, tous pas les jours. Assurément, j'essaye. Fait que deux fois par jour, ça. plus, mettons, peut-être une relation sexuelle ouais. dans la journée. Moi, j'aime ça. C'est beaucoup. J'adore reculer. Je trouve ça le fun. Mais t'as ouais, une réserve en... de sperme. En toi, peut-être, c'est le Kleenex qui a créé <laughs> du sperme à l'ombre. D'après moi, ça doit pas, pas être possible. des gros venus. là. Non, c'est des mini hey, comme ça. Non, des... non, non, je te jure. Non, non, bon non toi, tu viens un peu, un peu, un peu. Ça, ça fait ça ouais. du bon sperme. C'est une, une batch. là. Ça fait ouais. comme quand tu craches après avoir mordu les ongles. Non, je j'ai jamais comparé mon sperme à celui des autres. Mais j'ai l'impression que mon sperme, c'est une quantité tout à fait adéquate. Non, mais la Trois fois, fois là... par jour. Non, la première fois on y va, la deuxième fois un peu, la troisième fois c'est plus discret. Si ouais, Viens-tu moins vite Tu plus tough venir Plus ça avance, plus je, je viens vite. Ah, ah, parce que... En vieillissant Pas en vieillissant. Euh, dans mes. Euh, là, dans journée. La journée, Parce ouais. que t'apprends apprends à te connaître au cours de la journée. Non! Ah oui, <laughs> 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 Il y a comme un moment, tu tu, sais, tu danses avec toi, ouais, C'est une belle valse. Je la troisième fait... crosse de la journée, là. J'y suis cognée. J'ai Il y a le bras, il est encore plus bandé, ouais, <laughs> là, tu sais. Mais euh, attends un peu. Mais qu'est-ce que t'as quand même une libido dans l'affaire? Parce que moi. Je veux dire, je fais attention pour pas justement consommer trop de pornographie. Pour, pour pouvoir pas... avoir des beaux rapports sexuels. Ben oui, exact, parce que c'est avec ma femme que j'aime ça partager ça. Mais si je me masturbe deux fois dans la journée, le soir, le il papa, fait elle, comme fuck ben, il. je m'enferme dans mon bureau, je mange des Kleenex, puis euh, <laughs> de, à demain, là. <laughs> ben, je sais pas, si suis une grosse. J'ai une libido. Mais t'as une sais. bonne. Je sais ben non, non, si te le confirme, c'est élevé, là. C'est très élevé dans la douche? Jamais. Le matin? Je sais pas. Puis est-ce que tu regardes la porn à chaque fois ou tu peux le faire avec ta. ta je, peux faire tu ah ouais. capilla, je peux toi. faire <laughs> à Capella. Tu fais ça à Capella, tu Je fais à Capella. Mais à trois fois, je commence à être pas pire. Là. Je commence à être. Bon. Mais commencer sa, sa journée en se croissant... c'est. fort. Ah ouais? T'aimes pas ça? On dirait que si. Moi, ça m'endort. Mais moi, tout, exact. C'est comme moi, Pour moi, le, le sperme, c'est comme très japonais de ma part. Tu me diras, mais oui. c'est comme une. C'est ma vitalité. Je comprends. Je veux la sortir quand besoin il y a. Si je, je la sors en me levant le matin, first thing. C'est comme si, je trouve, que ça commence du mauvais pied un peu. C'est intéressant que tu dises ça. À je... moins que ça soit dans un rapport symbiotique as avec la bien amour, as un petit amour le matin? Moins que le soir. OK. À cause de la laine et tout. Je comprends. Ah, mais vite, tu, vite, ça... Les deux, trois premiers becs, tu fais ouf, ça sent l'autre, puis à un moment donné, ça sent nous. Oui, c'est ça. Ça arrête de puer, ça, ça sent vient. nos gueules j'suis communes. Oui, ouais. je suis d'accord, ça. Beau, ça. ça pue un peu le fun. Ouais, c'est ça. Avec toi. Je non, non, ça fais d'odeur, moi. Ça ne me dérange pas quand ça pue du tout, du tout, du ça, est tout. c'est des phéromones, c'est bon? Exact. Les selles d'après-baise, là. Mm -hmm. ouais, mmh, ouais. là. Ouais, ça. sent comme l'épicé, le fun, là. Ouais. Ça sent le bois à compter. Oui, oui. ouais. Moi, j'adore. Nous, c'est le matin beaucoup. Ah, ouais, ben oui, mais en même temps aussi, c'est ce que vous avez, là, des. Même avant, on adore ça le matin. Parce qu'on est, oui. est deux fatigués paresseux. Ouais. Après, 16h30, on n'a plus d'énergie. C'est terminé, c'est nos programmes, chacun de notre bar. Euh... Bon, tu programme, <laughs> Nos histoires. On écoute <laughs> nos histoires. Moi, c'est si là, là les, mes petits programmes le soir. <laughs> tu fais l'amour le soir. Où tu travailles le soir. Ouais, mais au euh, retour. Euh, ouais, au retour wow. ou avant ou en après-midi. Ah, après plus un gars de. Fin de journée. Ouais, c'est ça. Un 4-5. Tout est fait. Là, ça, va faire un, ça va faire un show avec la barbe qui sent à noon, <laughs> enfin, Je me la garde. Je me la garde. C'est ça ton, ton secret? C'est ça le talent. Wow. C'est ça, c'est son énergie. C'est celui qui va puiser. Ouais. Des fois, je me dis, hey, le monde l'écoute, il le suivent. C'est l'odeur de chat de tableau. Chat. I guess. Ça puis les ouais, ça. textes. Non. Ça puis le travail de texte. Ouais. <laughs> Tout aimes ça faire l'amour, quand? C'est un peu n'importe quand. J'ai pas de. Beaucoup. Mettons, j'ai un chalet. La fin de semaine au chalet, ça ça coûte de 10 fois, mettons. Waouh! Wow. C'est comme. C'est un, 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 un marathon de cul, là. Bravo! <rires> Bravo! <rires> Mais après ça, oh, je te laisse cette semaine. On se revoit samedi au chalet. Tu sais, c'est ça. J'aime bien ça. Très ouais. Ouais. en ce moment, il n'y a personne avec qui je fais ça, comprenez-moi bien. Mais quand ça arrive, euh, j'aime bien ça, le chalet. Tu sais, c'est. On... À moi, t'sais, tout nu, Tu sais, on vrai. vit ça tout nu. Puis c'est on recommence, oui, on recommence. Puis toi, là, juste, juste te juste, Tu sais, comme. Ben oui. <laughs> c'est plaisant, plaisant. Puis après ça, ben c'est comme t'es rechargé la semaine, tu sais. Ouais. Tout à fait d'accord. Nature et sexe, c'est une belle combinaison pour. La compétition, la compétition, combien de fois qui fait venir plus, c Ah! Tu fais, mettons, 12 à 4. Là, tu fais, oh mon Dieu, quelqu'un qui a pas été performant ce matin. Ouais. <laughs> Viens-tu vite? Quand même, ben je. Dans le sens, je ne pense pas que, je, 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 je... Je que c'est problématique d'un bord puis de l'autre. Que... Régulière. Non, ah, mais toi qui viennent vite, toi qui viennent moins vite, ça dépend, c'est du cas par cas. Vite, ça doit être tannant, pareil. ben tu viens souvent, ben, I guess. Mais ben, moi, pour être venu, il y a quelques je fois, c'est ben, ben, agréable. Je... Été, euh, venir. C'est quand même l'objectif d'un rapport sexuel. Oui, non, oui, oui, Non, non, non. Non, non. Non, c'est Non, non, non. C'est oui. C'est se rapprocher. avec oui. oui. Mais revenons au Kleenex. Oui. <laughs> ça fait je ça fait plaisir, oui. Parce que je, parce que je peux Est-ce que des fois, tu t'amenais des petits paquets de Kleenex que les gens amènent dans des funérailles, genre parce que tu te dis, ah, oh, j'ai un peu de métro à faire, je vais me «chewer» là? Euh, ce qui quand j'étais en, pu en public, j'osais pas leur cracher. Fait que Je pouvais avoir un Kleenex dans la bouche. Longtemps, longtemps. Pendant des heures. Puis il venait petit, petit, comme, petit. Euh, ouais. Comme une chic de tabac. Exactement. Ouais. Puis j'avais peur de le cracher. Ou souvent des fois, j'allais au cinéma, j'avais mis des Kleenex, puis je le crachais à côté de moi. C'était épouvantable. C'est un vice épouvantable. Y a t je... des Kleenex ici? Parce que moi, j'aimerais ça. Essayez. La... Non, moi. Moi, pas. Moi, terrible. moi, Que moi, ah, goûter, ce que ça goûte. Oui, ben, oui. Bon, non, non. je veux savoir. Bon, je veux savoir extraordinaire. Il donne le goût. Petit donnent le goût. tant? non mais je suis pas game es-tu entier ouais tu y vas entier entier vas-y oh, entier sans saveur sans odeur t'as mis tes lunettes pour regarder ça <laughs> <une> <laughs> pour, pour me protéger comme une expérience scientifique là, là, en laboratoire séparais tu séparais-tu non. Sépar... non on y va Peut-être que je prendrais rien qu'une des choses. Ouais, prends une ça. couche. C'est ton premier <laughs> Kleenex, là. Ah non, mais je ne commencerai pas. T'sais, on commence pas avec un Kleenex. paquet. Ah non. On fume pas un paquet. Au début, on ne s'étouffe avec une. Toi, tu dois trouver qu'il est tellement amateur en ce moment. Ça doit vrai, faire capoter de voir ça. Ces étapes, ces étapes. <laughs> Qu'est-ce que tu fais? Puis là, C'est ce bon? Penses-tu bon, devenir accro à ça? Tu y peux y plus t'en Tu quoi d'agréable dans la texture? Une fois que c'est mouillé? Il faut te dire. Je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est vrai. Genre là... Le... ben parce que moi je fais ça avec des pailles un peu, ça, ça remplit de bave. C'est le fun là. Hein? Là, tu tues. Ah, c'est extraordinaire. Pour vrai, c'est pas mauvais. Ouais. Ben, tu vas comprendre. Ça, tu là. vas comprendre. Si tu Attends, il est déjà mouillé, lui. Ah, oh, c'est peut-être ma salive. Marc, mais il y a du jaune dessus. Je vais pas essayer lui. Je pense pas que c'est un bon premier cube. <laughs> je pense, que je vais pas va pas Non, 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 mais non, mais non, non. non, non <laughs> un Je comprends, Thomas. C'est bon. Mouillé ah. au bois. Alors, non, c'est sec que le cul. Alors, non. Ouais. Hey. On a mouillé au, au risque d'être incendiaire, je n'aime pas ça manger des Kleenex. Je comprends votre boss. Hey, moi, mais je comprends. C'est bon, hein. Ouais. Fait il faut mais ça, j'ai ça un peu en moi. Cette ça va. Ça doit être insultant. Une... Mettons un chef qui vous écoute là. Un chef. Tu ouais. Que Quelqu'un qui, moment... qui qui fait des bonnes tables. C'est <laughs> sûr qu'il trouve ça bon. Ce que je fais, il aime les Kleenex, <coughs> ces astuces. Mais de là, par exemple, à faire comme, Ah, oh, tu sais, maintenant, je suis assis dans mon sofa, je fais, j'irai même chercher un Kleenex. Je comprends. C'est une autre étape. I man, J'ai tellement pas aimé ça. Genre mais parce que tu t'es pas rendu au point où ce que ça remplit les bave. Ça base, hein. ouais. Ou elle a pas le même problème d'addiction que nous deux. Elle a. Ouais. Je la pour belle peau. Soudainement féminisé. Je me dérange pas, moi, mais t'as peut-être. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être pas la même chose. C'est comme. Le caviar, c'est un, un, un goût qui se développe. Ouais. <laughs> <laughs> Mais là, c'était sans saveur, ça, par exemple. Ouais. Je suis pas sûr que je. je, je ah, ça, c'est une autre étape. Du... De... Ça, c'est autre... autre... quand tu as, fr... as franchi le Rubicon, là. Là, tu es. <laughs> es c'est recul... quand euh, César, euh, César voulait euh, euh, envahir Rome avec son armée, il y avait un Rubicon, il a traversé le Rubicon, ça veut dire qu'il peut plus revenir en arrière. Là. Va... Ah, le... c'est une rivière C'est un cours d'eau que traversé. Ah, ok, c'est ça. Ok. Et puis il a dit les jeux sont faits. Je trouve que c'est beaucoup, c'était très calé, Ouais, Ouais, Tu manges juste rivière et deux. <laughs> ah, t'as traversé la rivière, t'as traversé le pont. Non, mais il y a seize ans, puis l'histoire de Rome. Ouais. <laughs> je comprends, je comprends, c'est J'aime que le podcast où que Phil n'est pas là, vous êtes en train de manger des Kleenex. <laughs> ah! 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 bon, puis on parle, le viens-tu vite Puis combien de fois tu te masturbes par jour, Phil fais les Non. Ah ouais, c'est plus ouais. ton ton, ouais. Ouais, ouais, on est plus dans le ton à Thomas aujourd'hui. allé tout seul. Moi, j je pas allé le Moi, j'ai juste dit hey, c'est quoi ta une expérience télé là, on mange des Linux. <laughs> oui, c'est sûr, il y a des boomerangs avec Linux. à ça. <laughs> euh, tu as, 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 as d'autres expériences télé, toi, que le prochain stand-up euh, J'ai fait une pub de porte de garage à m'emmener. J'aimerais tout savoir de ça. Mais j'étais en début de carrière. Puis. Euh... T'en as pas fait une dernièrement? Euh, là, dernièrement, non. Oui, t'en as fait une dernièrement. Ah. On dirait que je te. Juste la voix. Tu oui, juste la voix. Tu m'avais pas sorti, mais je, je pourrais le dire, mais c'est ouais. juste que le monde des pubs, tu connais, ils sont. Ah, je pense que, que, que c'est tout le temps des documents top secrets, là, puis que tout le monde va s'arracher, là. Leur... En ah, télé aussi, ils font ça. En ah, télé. Ouais. Là, je peux-tu compter, moi? Parce que moi, longtemps, j'écrivais en télévision. Puis une des raisons pourquoi j'ai arrêté d'écrire, un, j'étais pas super bon. Et deux, je trouvais ça à la télévision. Il y a Une fois, j'ai eu une audition pour écrire sur le Timéchaud signer un document en disant faut pas que tu dises à personne que le petit méchot en vient. Puis je me rappelle avoir pensé je vais signer mon document là. Mais premièrement, si je le dis, tu vas faire quoi Tu tuer mon père parce que j'ai dit que le petit méchot existe. Comme relax puis deux. Je pense que ce serait une bonne idée que ça sache que le petit méchot s'en vient pour ouais. que vous allez réaliser que c'est pas une bonne idée. C'était tu tu j'ai jamais <laughs> C'est épouvantable. Une Oh C'était Timé, dans le fond, qui faisait des entrevues? Oui. Martin Matt a déjà compté dans la rue. Je ne sais pas si vu que je compte ça. Puis, si, si on, il me chicanera. J'ai croisé dans la rue, on était plein de Maurice, puis il nous a compté ça. Puis, euh, il comptait. C'était Rémi Girard. Là. Rémi Girard, il, à une époque, il était à Cannes. Puis, il était prisé. Puis, il se faisait offrir des rôles. Puis, il a joué dans les Inventions Barbares. Puis, il était tellement bon qu'il y a des, plein de producteurs de plein de pays différents qui ont engagé ces productions. Mais oui, mais oui. Puis, là, il fait le petit méchant. Ouais, mm. c'est sûr que... C'est facile être comédien. Mm. Mais en même temps, <laughs> c'est la petite vie, là, tu sais, c'est comme... La petite vie, c'est... Comment dire? J'aime beaucoup Les Invincibles, mais si, mettons, mine avait... la Lapophine a une télé-réalité, ça n'a pas rapport. <rire> <rire> Tout d'un coup, tu sais, ouais, ouais, fait... c'est ça, Lynn, la poffine, a un talk show mm -hmm. où tu fais, ah, ok. Ouais, oh non, mais c'est bon, les invités, c'est quoi le rapport? Ouais, mais c'est pas ça que. <laughs> tu sais, un, le, le dragon dans Game of Thrones, il, il parle au monde dans la rue, il fait des, des vlogs dans la rue, <laughs> puis il demande aux filles, c'est quoi leur body count, comme ça n'a pas vraiment rapport. Tu sais. C'est pas vrai, ça, là? Non, c'est pas vrai. Eh, hey, ok, ça je que fait... allé comme, y a-tu vraiment quelqu'un qui fait ça, <rire> Seigneur <rire> Dieu du <laughs> Calice? Gros dragon, qu'un mec. <laughs> rue Saint-Laurent. C'est des idées qui sont bonnes? Non. Mais y a beaucoup de, 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 des idées qui se rendent au bout, puis tu fais qu'il n'y a pas personne qui a flagué pendant. Ouais. Moi, c'est ça, tu sais, que je trouve... Euh... Tu sais, en ce moment, on est en train d'écrire une série télé pour Eve, euh, puis moi, elle les cru que c'est vraiment Marilyn et Eve, puis c'est une fiction, là. Mm -hmm. dire, je veux dire, je, j'ai je, je, toujours peur qu'on soit ce projet-là. Je comprends. Je ouais, ouais. ouais. <laughs> suis comme, ah, là, je suis là. Mais il qu'on dirait que qu là, faudrait crée l'épisode 5 au complet. Son Marilyn, elle prendre, enlève une bûche. Ouais. Tu sais, t'as te, tellement peur qu'on soit comme juste dans une bulle, puis que finalement, à l'extérieur de cette bulle-là, le monde fasse. Ah, voyons, mais c'est dégueulasse. Fait que tout ça, c'est terrorisant. Ça peur. peut arriver en plus. Ça peut arriver. C'est que c'est pas une peur complètement illégitime. Ben non, c'est ça. C'est que c'est arrivé dans l'histoire. Ben oui. Ah, juste dans Et... À chaque saison, ça arrive. Exact. À chaque saison télévisuelle, y il y a le projet a de guess oui. ah ouais, ouais. Qu que déjà Se le dire C'est déjà un euh, ah, pas croire que personne se le dit dans des projets, là. Ben il doit y avoir des projets que des fois le monde fait « quoi. Est-ce qu'on est des génies après tout Puis là finalement c'est de la peur donc. Ouais puis je pense qu'il y a aussi le fait que tu sais maintenant as une idée t'as un flash tu fais c'est vraiment bon puis là quand on sort l'idée tout le monde s'emballe puis des fois quand ça redescend tu fais ben c'était ouais. dégueulasse on était huit cerveaux à faire waouh. Wow! Ouais. En stand-up je l'ai vécu beaucoup moi. Moi tu sais chez nous oh. Ils okay. sont ouais. chanceux ce soir <laughs> d'avoir accès à cette idée de génie puis là je la fais c'est bon, ça regarde en disant, c'est un humoriste, lui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. ouais, ouais. Ça... Mais au moins, il y a, au moins, il y a juste 55 personnes qui ont entendu ça à la, ça la télé. Peur, hein? un peu Pourquoi plus... il nous crie après de rire plus fort qu'Alice? <laughs> <câlisse? rire> ouais. Genre, ça aurait pas marché au gong show, là. Je comprends, ouais, je comprends. <rire> <rire> je comprends, ouais. T'aurais été euh, gong. <laughs> J'aurais eu des notes de deux gars qui m'expliquent que c'est pas bon. <rire> euh... <rire> Les Kleenex, c'est fait. Le... Euh... Toi, veux-tu okay. faire la télé? Tu moi, tu es acteur? Tu serais un bon acteur. Tu serais un excellent comédien. Merci. Et je suis un bon scénariste, c'est des bonnes idées. Vous êtes vraiment gentil. Bon, on le tout euh, Non, mais j'aimerais ça... qu'il est que... devenu fendant. Des <laughs> es oh, ouais. mais est on met ses lunettes fumées à l'intérieur. On met pas qu'on me reconnaisse avec cette lumière qui me transperce. Non, mais moi, j'aimerais... J'ai de la misère à prendre... Tu sais, mettons, comme si, mettons, tu me cries après dans une scène que t'es supposé être fâché après moi. Ouais. Je es tu es après moi? Je suis comme trop sensible. Mange ta blonde juste avant de venir sur le plateau. il gonna have the mojo. <laughs> ouais, peut-être c'est ça. C'est son essence, c'est ça. ça non, mais ben, là, tu cries après. Dans des grosses scènes, mettons que tu fais genre un violeur, là, tu fais comme écrit, je suis. Ben euh, C'est ta faute, là. Non, mais je suis équipé pour vivre ça, d'être capable de le gérer, c'est ça que tu dis? De jouer un violeur. Ouais, ouais, non, ça, je serais pas capable de faire ça. Je suis capable de jouer moué un peu fâché, un peu comique. C'est ça mon range. Mais je veux dire, si toi, mettons, tu me cries après dans une scène, ouais. après la scène, je vais venir te voir, j'ai faire T'es-tu fâché, pour vrai? de l'air pas mal je dis, fâché. Non, j'étais bonne, visiblement. <laughs> ouais, exact. Je me à qui est pas fâché. Non, c'est juste vraiment talentueuse -tu pour te marquer. as fait du théâtre au théâtre? Ou euh, plutôt au secondaire? Non. Tout a fait de l'impro en masse. Non, 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 non. il pas fait d'impro, c'est pour ça qu'il est aussi cool puis relax. <laughs> c'est pour que ça que j'ai tué aux drogues moins... tôt dans ma vie qu'Alice. Je ne jamais de jogging. C'est vicieux, hein, l'impro Et les pénis de gars dans des joggings <laughs> d'impro. De, c'est qu que ça. C'est hein. fait que vous nous perturbez avec ça. Ah, ouais. Est-ce que ça, ça te perturbait? Mais non, positivement, non, mais négativement, les, les deux Non, mais c'est juste, c'est très apparent. C'est comme, mais mais autre chose. Je pense que c'est le but. Je pense que c'est une manière ben de non. se montrer des pénis. Tu peux. Pas... Ben... Moi, je suis convaincu. J'avance ça. Si je me trompe, c'est pas la première fois que je me trompe. Si <laughs> non, pas -là, effectivement. <laughs> grande partie du leur de, de, de l'improvisation, c'est la sexualité. A... Moi, je pense que ça aussi. Oui, c'est une manière de faire l'amour. C'est très désinhibé. Tu fais des impros, puis t'es comme, moi, je vais l'embrasser celle-là. Ouais, ben oui, c'est ça. Je me fais une mix vicieux. à genoux, à quatre pattes devant Pierre-Luc Funk. Ouais. C'est c'est terrible. Je crois qu'il y a beaucoup de ça dans, dans, dans l'impro. Nous autres, à notre initiation au Cégep, je suis en théâtre à Saint-Hyacinthe, à notre initiation, ben je faisais exploration théâtrale. Je vais arrêter de dire que j'étais en inter. C'était exploration théâtrale, c'était plus un deck. L'initiation, c'était on rentrait, on avait des collants, puis on mettait je French ou je French pas. Oui, il y avait euh, a, ah, oui, hein. ça. Ah ouais, Ça, c'est parti il y a peut-être deux, trois ans. Il y a un, un étudiant, un gars de, dans le début vingtaine qui fait la même chose à Saint-Hyacinthe. Puis, tu vu le métou, pis là, ça a disparu, là. là tu hey, peux pas avoir de collant, je frange ou je frange pas. Moi, j'ai quitté. De un, j'avais un chum et j'étais. Genre, c'était ma première relation. J'étais super lourde, amoureuse. Genre, <laughs> laisse-moi pas! J'étais seule. <laughs> je comprends? je comprends? Fait que, tu sais, moi, j'étais genre, je ne pensais qu'à lui quand il n'était pas là, Puis j'attendais juste qu'il vienne me rejoindre. J'avais peur qu'il décède en route, là, tu sais, genre. Je comprends. Fait que, dans ce party là j'étais comme, ça va virer comment? puis ça a vraiment viré ce ça que viré je pensais que ça, a, ça allait virer. Ouais. Fait que euh, non. Est-ce que tu t'en étais exclu vu que tu participes pas à la section ben des non, ben, je, ben, je suis restée très peu de temps, j'ai fait ah ouais c'est ça. C puis, je, je veux dire, je allé parler avec deux, trois personnes qui avaient collé, je ne trench pas, puis on était genre, oh, c'est vraiment pas Tu sais, comme les <laughs> gens les gens fâchés, pas game dans le coin, qui sont comme, oh, c'est quoi ces gens-là ouais. qui sont libres? <rire> ouais, ouais, <rire> ouais. célibataires. Je sais pas s'ils sont libres. Je sais pas Je crois pas vraiment la, au concept de la liberté. Je pense qu'on est toujours moins libres qu'on pense. Eh hey, mon dieu, c'est non bien. Excusez-moi. J'ai <laughs> 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 Pourtant, toi, tu aurais, aurais eu le collant en French, je suis pas mal sûr. Oui, et puis ça ah, encore ouais. plus. Non, 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 parce que ma vraie peur, c'est avoir le collant en French, puis pas frenché. »« Ouais, ouais, c'est ça. Être le seul, il comme non, non, mais ça va être mon tour un jour ou l'autre, ça fait quatre heures, ça a commencé. Parce qu'il y en, en a, il y en a, il y en a. Moi, c'est ma grande peur. qui veut ben Ben, on. Tu vas trouver quelqu'un, là, lâche pas. Là. Ouais, ouais, fait qu'au ouais. lieu de ça, t'aurais été juste vraiment loud à travers les gens, t'essaierais beaucoup d'attirer l'attention. Puis le monde serait comme, hey man, il s'enlise de plus en plus. La bonne nouvelle, en théâtre, ça, ça détonne pas. Être la personne loud qui va tirer l'attention. Non, c'est ça, exact. Non, non, c'est extraordinaire. Moi, mmh. j'ai la personnalité de théâtre, mais pas le talent. T'aurais la personnalité, mais en tout cas, dans mon deck, ouais, t'aurais Pas fité... le talent, pas le talent. Pas capable de jouer. Mais là à côté, je suis capable. Tu n'es pas capable de, de jouer? jouer. Ouais, ouais. Euh, ben, je me suis jamais vraiment. Je n'ai pas beaucoup joué dans ma vie. Et je n'ai jamais mis d'énergie là-dessus. Tu sais, je ne suis pas capable de jouer comme je ne suis pas capable de faire de la slush. Parce que je n'ai jamais essayé de faire de la slush. C'est la pire comparaison. Hein. Aussi, je ne oui. pourrais pas faire de comparaison non plus. Mais, <laughs> mais en même temps, tu as un podcast, tu fais de l'humour. Oui. Déjà, tu interprètes. Un peu. Un peu. Mais j'essaie d'être le plus moi-même possible. Ouais, pis ça marche, ça marche. Ça marche un peu trop fois. T'es tu t'es tu Je te dis que t'es super proche de toi. T'es Tu Tout ça, c'est une invention. puis je sais même plus qui je suis. puis là, j'ai inventé quelque chose que j'arrête pas de recréer. Pis je sais plus qui je suis. Chris, c'est pas impossible, ça non C'est pas impossible, ça non plus. T'as peut-être un grave trouble psychologique. Ah, ça c'est certain. Ça c'est certain. Un grave trouble psychologique. Moi, je sais pas lequel. Non, tu saint sain d'esprit, man. Je l'ai dit non? plusieurs fois. Moi aussi, je... Moi aussi on fait beaucoup de blagues là-dessus, mais je pense qu'il est... Il est au contraire beaucoup trop groundé pour ouais, la, ma... la majorité grandé, de la population. Il est population. équilibré. C'est gentil. C'est discipliné, c'est Merci. Et... C'est ça, tu as des astuces d'affaires weird que tu fais, tu sais, <laughs> dans, dans ta bouche, <laughs> avec ton pénis, tout ça. Mais qui, tu sais, je veux dire, c'est tout le monde. C'est parfait par rapport à ces organes génitaux? Où est-ce qu'on va? Aucune idée. J'ai aucune <laughs> je juste, Non, mais elle, elle fait juste me dire c'est quoi la destination finale. Je sais. Je te, pas. Prends Waze, moi je m'assois à côté, <laughs> je te suis. Je vais aller là avec toi, mais là le chemin, là, qui est la, la relation avec ses organes génitaux. Je pense que peu de gens ont bon. une relation saine, équilibrée. Avec leurs propres organes génitaux? Oui. C'est ce que j'avance. Je comprends. C'est ce que j'avance, mais peut-être que c'est faux. Peut-être qu'il y a plein de gens qui vont dire non, non, moi mes organes génitaux, à plus. Ben, ouais, je pense... pense que t'es aimes pas ou tu les adores mmh. trop. Oui. Ah, c'est <laughs> ça, ça. Je ça. pense qu'il n'y a pas de zone grise. Il y a vraiment... Oui, je comprends. C'est rare, tes gens. Je suis plutôt indifférent. Je comprends. Je, je pense que les filles ont moins de problèmes. Mais il y, y a quand même des femmes qui se refont la vulve. Là. Je comprends. Ouais. J oh, j déjà, moi, j'ai déjà j fait des recherches là, sur la diminution des petites lèvres, mmh. jusqu'à ça m'est déjà arrivé parce que dans le show des grandes crues on faisait un gag que je disais euh, j'ai quand même des grandes lèvres c'est pas tous les gars qui tripent sa viande a fondu puis en tout cas, on, on partait là dessus puis <laughs> 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 ben, ben, cherchais à, à en faire fin, il y a, y a, y a des gens qui tripent ça ça fondu la sauce canton c'était euh, euh, bon super, euh, super léger puis euh, à la fin d'un show au il y a une gynécologue qui est venue me parler Terre du petit Champlain on était dans nos premières années il y a une gynécologue qui a me a dit c'est vrai que t'as un complexe ça vu. j'ai dit, bah j'ai quand même des lèvres j'ai des bonnes lèvres pas fait... Ben veux-tu me la montrer? Moi, j'en vois à la semaine longue. Je suis allée dans les toilettes avec la fille. Je me suis descendu les culottes, j'ai montré, puis a fait, oh, mon Dieu, écoute, c'est beau, 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 beau. Il n'y a rien d'opérable là-dedans. C'est magnifique. Les, les, c'est dans les belles vulves que j'ai vues. toi je ne savais pas <laughs> où on s'en allait. Je ne savais pas où on allait là. Je suis très heureux qu'on se soit là. content? J'ai mis Waze, je suis allé, tu t'es rendu avec moi. Mais... Okay. Il n'y a pas de quoi qui sortent. Premièrement, il y a rien. Euh, juste juste mentionner, il n'y a rien qui prouve que, le gynécologue, que est gynécologue. Peut-être que c'est juste une femme qui aime voir des vulves. Ouais, c'est ça ce que je oh, Ah non, c'était trop. Euh, trop euh... En plus, ça finit en disant qu'elle était magnifique, la plus belle qu'elle ait ouais. vue de sa vie. Elle montre un trait sexuel. Je pense. je pense que tu... c'est... Oui. Rien dans non, les toilettes, fait... mais montrer ta non, vulve. C'était ouais. deux, deux chums de filles gynécologues. Les ils deux ensemble. Deux. Ah, ici, ils deux. Ben, tu peux deux. Pas... Parce que nous, tu, euh, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on est gynécologue. Ça ne marche pas. Non, 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 mais je, je comprends ce que vous voulez dire, les gars, puis je sais où est-ce que vous en allez, mais non, c'était vraiment. Euh, tu sais, j'y crois à fois mille, puis t'es comme. Tu sais, je sais, c'est quoi. il y a des, vraiment des gens qui ont des gros problèmes, les filles qui viennent nous voir, puis tu fais, oui, mon Dieu Seigneur, un coup de 12. Tu on dirait que la personne a eu un coup de 12 dedans, on va comme arranger ça. <laughs> ah, tu sais, euh, puis. C euh, une belle image. Puis, ben, finalement, je suis vraiment dans, dans la belle moyenne, le fun, là. Ah, à combien de temps à le regarder? Oh, c'est assez rapide. Mais c'est quoi rapide? Descends en culotte, euh, tu euh, reste debout un peu, tu flex un peu, juste pour faire comme « voix plus », là, tu sais. <laughs> si tu fais gynécologue, cette fille-là ne sera pas intimidée, mais c'est sûr qu'elle a fait « j'ai vu la veuve de la Marilyn Jean-Cosé claude C'est sûr. Mais à ouais. l'époque, je n'avais pas ce nom-là. Mais ben, ça veut. Bah c'est ce vulve-là, ça va être Ce, ce, ce vulve-là <laughs> va monter au sommet. <laughs> mais ce n'est pas comme, tu sais, <laughs> mettons… <rire> Moi, J'ai une question par rapport à. Tu sais, mettons, tu vas voir le thérapeute et pas se poser de ramener le travail. Il ramène tout. Mon, ami, mon, mon père avait un ami thérapeute il disait tout. Mais ben ça, c'est contre l'ordre professionnel ouais. des thérapeutes. Puis il pourrait perdre son permis. Puis il y une confidentialité ouais. client. Pour hey, Moi, là, j'étais consentante. Je suis contente. J'ai eu un beau bien moment sûr. avec. Je suis ressortie de là. Elle a fait. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je viens d'aller montrer ma vulve à deux gynécologues. Elle a fait. Et es les, les deux, tu es là? Oui, tu es là, les deux. Wow, deux femmes. Ouais. Tu as montré ta vulve à deux femmes. Ouais. Il, il y, y en a une qui a trouvé qu'elle était magnifique. L'autre, a trouvé que c'était bien moyen. <laughs> Pis, euh, mais il y en avait une qui était plus en retrait, là, derrière. D'accord. C'est ouais. genre, comme si tu correctes ce qu'on est en train de faire, Ben oui, on a bu, ça à la vous avez bu pendant le show. Tu okay, tout, tout bien, soul, quand vous avez fait ben, ça? tu pas saoul, là. Je veux dire, dire, on finit pas le show de là mais à faire. deux dames, moi, je parle. Oh non, c'était comme... On avait la joue rouge et on avait le sourire facile. <laughs> je comprends ce que tu veux dire. Ouais, que Eve a fait... Bon, Marilyn a fait ça. Ben oui, évidemment. Marilyn a montré sa vulve. Euh. Ce que j'ai fait à plusieurs de mes amis de gars, en hein, faisant comme j'aimerais ça que vous me dites, si tu es belle pour vous? OK. je. C'est quoi? Est-ce que c'est 100 oui, 100 100 quoi? oui. Non, non. Oh. C'est les petits complexes de... Ton chum t'a dit quand t'es jeune, genre... Non, ah, mon Dieu, t'as quand même des bonnes lèvres. Oh. Puis là, à, à, au moment qu'il te laisse, tu fais que penser à ça puis okay. tu fais ah oh, mon dieu je suis tellement gêné le moment donné j'ai fait t'es un bon ami de gars je le sais je, je, je te le demande avec tout mon cœur sois honnête puis tu sais c'est des amis que ça m'aurait dit oh ok quand même tu sais oui. non vraiment wow. vraiment des amis qui t'ont montré leur vulve que t'as pas mangé ou que fait l'amour avec non pas vraiment okay. non deux. ça m'est pas arrivé puis genre mettons que quelqu'un me se comme sauve à ce point-là, puis comme se mais met à nu littéralement pour avoir ma perspective, je pense pas que je ferais bien moyen ça comme vul. Ça dépend de la relation <laughs> comme, avec moi. Je comme, chapeau, hostie. merci d'être là. Ah. <laughs> là. Merci d'être là. Merci d'être là. Je ça, dirais toi. jamais, non, personnellement. Là. Non, mais la personne, elle te dit, je te la montre pas pour le plaisir, je te la montre pour avoir sincèrement ce que t'en penses. Fait mm -hmm. que si tu fais. C'est vrai que t'as un peu des lèvres un petit peu plus longues, mais honnêtement, si c'est pas dérangeant. Si quelqu'un pense à moi pour ça, c'est un effet d'épais. Ça, ça, je vais voir sa vue, je vais être comme That's What She said. <laughs> Personne va rire comme en ce moment <laughs> puis je vais <laughs> <What te> coller <cogisser rire> mon camp. <laughs> tu peux pas coller ton camp de, de ton ami qui est Claude Bessé. C'est des amis de confiance. J'ai trois gars, euh, trois amis de gars de confiance qui l'ont vu puis qui sont euh, qui ont été vraiment francs et gentils. Wow. Ben, c'est vraiment les, du, du monde qui ont fait des beaux dons d'eux-mêmes, honnêtement. Je suis d'accord avec toi. <laughs> <C 'était rire> <bon>. Et <laughs> un de ceux-là qui, genre, deux mois et nuit plus tard, on est entre amis, on prend un verre, puis ouais. il fait, il fait Je vais t'avouer que j'y ai repensé, puis des fois, puis ça m'excite un peu. Wow. Ben, J'ai fait Ben, ben je suis content. Fois. Ben oui. Je suis vraiment content. Oui, parce que euh, c'est le seul qui est honnête, parce qu'on peut pas enlever l'aspect érotique de montrer sa, sa, sa Mais tôt, Tu le montais à 3 dunes. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment. Fait que t'avais besoin de beaucoup de validation quand même. Ah, mais là! <laughs> là, je vais dire, c'est pas dans. En deux, t'as une bonne. c'est pas dans la même semaine, là, tu vois. je vais te dire que j'étais. <laughs> ça sur dix ans, mettons. Okay, hein. okay, ok, ok, ok. Moi aussi, mais c'était comme toi, mais je pensais que c'était dans le même mois, moi. Tu à sais, à 22 vous... au cégep avec mon meilleur ami, okay. euh, après ça, tu sais, à Parce que c'était pas genre. Euh... C'est ça. Tu l'as pas confirmé auprès de la gynécologue, puis auprès de trois doudes. Quand même, c'est cinq personnes. Deux gynécologues. Ouais. Puis trois amis, cinq. Ah, des hommes de femme aussi. Ok, une vraie question. À qui t'as montré les textes de ta série? Est-ce que t'as montré plus, <laughs> est-ce que t'as plus montré, montré ta vulve, ta vulve oui. que les, les textes, textes de, de ta série, série qui ouais. vont bientôt oui, et Oui, oui, vraiment. À qui... Fait que t'as plus montré ta vulve? Oui. <rire> oui. <rire> Mais je peux comprendre. <laughs> Génial <laughs> mais c'est comme avec les cheveux, moi j'ai l'impression que je commence à caler un peu. Enlève ta tache. Puis je demande, non, pas au podcast, man Hey, j'ai l'air de quoi, moi Excuse-moi. Hey, oui, mais mais je plus sais. tu mets ta là, tu vas, tu vas aller sais. faire du PRP. Là. Non, non, mais c'est pas si pire que as ça Tu ah, t'es pas un chauffe. t'es pas un chauffe. T'es pas un chauffe. T'es pas le même Je trouve Mais là, tu vas aller faire du PRP, là. C'est quoi du PRP C'est ils prennent, ils prennent ton sein, ils séparent les globules blancs des globules rouges, puis ils injectent des globules blancs. Dans le devant des cheveux, ouais. c'est euh, ça a l'air que c'est euh, ah ouais. révolutionnaire. Ouais. C'est où qu'ils font ça, cest tu au Québec? Je peux te donner le numéro après. Oui, oui, oui. à Montréal. Ça coûte-tu comme 45 000? Ben, je sais pas. Moi, moi, je le fais faire dans ma face, là, une fois de temps en temps. Genre, c'est comme si t'injectes des globules blancs en face. Non, non, okay. mais c'est juste comme. Ouah! « Fresh and so clean ça fait vraiment ah, c'est oui. euh, ça va faire repousser les cheveux ouais. ça fait ça redonne des cheveux ça donne de la, la force à tes cheveux ils vont dire bah, ça va... Arnaque! let's go péo oh, tu es tu as pas oh, besoin de greffe de... hein? oui, oui ça me rend super heureux c'est comme j'ai l'impression que quelqu'un vient de me dire que j'ai une super belle vulve en ce moment yeah! là, là, si je suis content non mais c'est puis ça a l'air que c'est c'est pour ceux qui restent ça ça reste, je veux dire tes gardes bravo Incroyable. Si tu sais, on va se dessus La vie est belle. C'est bien la fait. Vie est bien que fait. Tu... <laughs> mais, mais je disais ça dans le sens que c'est tout le temps la même réponse à chaque fois que je demande à quelqu'un si je suis en train de devenir chauve, mais je leur demande souvent pareil parce que. Je, voici ce que j'en Mon C'est important. Montrer son cuir chevelu et ouais. sa vulve, pas le même niveau d'intimité. Oui, mais, mais comprends-tu que, mettons, à part les gynécologues, là, on enlève si Je veux dire, ouais. ça, on parle de. Un peu, genre, Théâtre du Petit Champlain. Nous autres, au Théâtre du Petit Champlain, on a battu le record de vente d'alcool. C'était plume avant nous, là. Tu comprends-tu? Dans le sens... Ouais, ouais, ouais. C'était comme un party au début, les Grandes Crues. Jusqu'à temps que maintenant, on travaille trop pour que ça reste tout le temps un party, mais c'était vrai. Ça, on exclut ça. Après ça, mes amis proches, la grande intimité, je suis quand même quelqu'un qui est à l'aise avec son corps. Je, dans le sens, je ferais... Dans une soirée, nous trois ensemble, je ferais pas les doudes, do venez, tu sais. Même, même pas avec ben Mettons Steph, ben chaude peut-être. On pourrait le faire. <rire> 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 Steph, ouais. <laughs> non, mais tu sais, dans le Steph, Steph, elle, 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 elle Steph, serait de bons conseils. Un, un truc que j'ai vécu avec Steph, puis je n'étais pas là. Euh, Steph euh, est enceinte, puis il est allé baumer avec ses amis. Elle ne buvait pas, mais ses amis buvaient. Tous ses amis étaient saouls, puis ils ont fait Garde, Steph, on faut te demander, on veut voir tes seins. Fait Tous ses amis sont allés dans les toilettes. Ouais, oui, les mamelons là, noirs. Les... Non, non, plutôt les, les seins grossis. Parce qu'il est enceinte, ah, il voulait absolument voir les seins puis toucher les seins de Steph. Non, mais il y en a que ça devient vraiment comme super foncé, non, comme, pour mon... que le bébé pas il pas puisse mon... voir, euh, ah. qu'il qu puisse s'aligner. Ah, a... ah je savais pas. Ça foncit vraiment fort. C'est fou tout ce que le corps Parfait. des femmes font, fait quand il y a un bébé. Mm -hmm. Ah oui, que le bébé il est malade, il pro... Elle va produire du lait avec plus de vitamines pour ah, le, le corps. Vous, vous êtes des machines exceptionnelles. Le bébé il tourne à pendant il y a pas un bout de temps. Ouais, 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 il se met, il s'installe pour sortir. L'utérus, les œufs vous avez, tout ça, Moi, je suis en processus de congélation d'ovules. Bravo! Ah, oui? Ben oui, parce que j'ai 36, je suis célibataire, j'aimerais vraiment avoir un enfant, pas j'aimerais, je veux vraiment un enfant mais avec quelqu'un que j'aime. <laughs> ouais, ouais, j'ai pas ouais. le goût de faire comme « Non, là, moi, c'est ça. » Le puis... gars qui m'a dit que j'avais une belle vulve, c'est parti. Exactement. « La vulve, que veux-tu? » Fait que, tu sais, j'ai comme le goût, puis j'ai le goût de rencontrer quelqu'un aussi, puis de pas faire « Là, c'est sûr Tout moi, late, tu sais, ça y va. Que... » Fait que, j'ai le goût de triper, de voyager, de déménager avec la personne, d'avoir du plaisir. Et, j'ai pas envie d'être avec, justement, quelqu'un que je fais « Ouais, ça va être correct, ça va être un bon père, là. » J'ai le goût ouais, d'être en amour pour exactement. vrai. Moi, je suis très bien seule. Ouais. Je, 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 les gens qui sont bac à bac en couple puis que c'est tout le temps avec quelqu'un, puis que ça ne veut pas être tout seul, puis que tu fais, hey, c'est différentes personnes, ça y pas de bon. Moi, je suis vraiment sélective et je veux être bien puis avec quelqu'un et d'être bien avec moi. Bon, bref, je vais va, va très loin. Non, mais je comprends exactement ah, ce que tu faisais. Fait, fait que là, je euh, J'ai fait tout le processus début janvier. Comment ça, comment on, comment on congèle ses œufs ouais. Ben là, euh, au début, c'est les prises. Là, tu prends des prises de sang. Euh, parce que là, ils veulent savoir, tu sais, bon, euh, c'est ton niveau de plein d'affaires. Écoute, mm -hmm. c'était une liste de. Qui en... Ils m'ont vidé à moitié du corps. J'étais verte là-dedans. les joues creuses en sortant de là. là. Euh, après ça, fait que là, eux, ils checkent ça. Là, je sais pas, ils disent, bon, le niveau d'estrogène, de ci, de, de ça, d'ovule, de, de follicule. De... Puis après ça, c'est un... une échographie. Puis là, ils vont voir combien t'as d'ovules. d'ovule. Une première de classe. ah, moi, Bravo! Je suis très, très J'en ai 18. Wow! C'est beaucoup, ça? C'est non. J'aurais jamais su qu'est-ce qui Genre, j'ai une amie qui en a 4. Wow! T'es très fertile. J'aurais jamais cru ça de toi. Fait que là, non? Mais quand même. Fait que, fait que là, dans le Parce fond. Que moi, souvent, je regarde les femmes et je me dis, fertile, ouais, fertile pas fertile? Pas fertile. <laughs> moi, je suis femmes. Donne-moi une femme, je sais si elle est fertile ou pas fertile dans ma tête. Ah, ouais, hein? Ouais. Ah, ah ouais! Ça me fait peur ça ouais. man. Ça, ça m'effraie tu... je... ça, ça. Ça c'est le bout weird, il y a un psychopathe en... dans, dans... <laughs> ouais. là ouais, exact. Ouais. Dans, dans le métro, là, le... qui... Oh, ouais, genre, fertile, on a appris fertile. que ce gars-là, il a tué genre 24 femmes, <laughs> puis il était comme si c'était pas fertile. <laughs> 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 Ils sont Mais tous coulés dans le <laughs> ciment quelque part. T'as je t'en moi je voulais juste aider puis voici comment on me traite. Fait que euh, ah. c'est ça. Puis là, pis après ça, c'est... Mais là, je le ferai pas maintenant parce que là, je rentre dans un méga-stretch, je travaille jusqu'au mois de juillet, mais euh, c'est 10 jours d'injection. De quoi? D'hormones. D'hormones? Euh, au jour 1 des menstruations, là, les repartent. je refais une échographie pour être sûr que tout bien. Puis après ça, pff, 10 jours, ponction. Puis après ça, ils sont congelés, puis euh, je leur paye un petit loyer par année, Puis tu tombes ah ouais, enceinte hein? à Comme... l'âge que tu veux? Ben ouais, parce qu'ils sont plus dans toi. Je sais pas comment ça marche. Ben dans un fait, congélateur, genre en fait, euh, il, des il, affaires d'entrepôt avec hein, les porte oranges, là. Moi, je pense qu'elle va répondre plutôt que nous, on vient d'apprendre <laughs> le processus. Si on dans le congélateur, chez le médecin, tu sais, entre ses cubes de glace puis la bouffe de son <laughs> chien. Si tu tombes enceinte, tu tomber enceinte toi ou ben, comment? Idéalement, ça serait par moi, normalement, tout ouais. ben Tu sais, mettons, euh, OK, euh, oui. c'est pas long, puis... Mais tu sais, c'est juste que si je fais, mettons, à 39 ans, on fait comme... Hein, on commence à essayer à 39, puis que là... Après 4-5 mois, je Marche pense suis mais je peux direct aller dans le congélateur. Tu ah sais, ouais. puis que là, ils prennent le sperme, ils nettoient le sperme, ah prennent ouais. juste les bons, mettent ça dans des ovules, puis ils checkent Quand ce Comment ils pol. font pour nettoyer le sperme? Hey, tu sais, t'as dit. <laughs> comme une cassette, Nintendo. Ils sont de mer. Ouais. Ouais, comme ça, ouais. ouais. Brosse. Ah non, c'est microscopique, c'est <laughs> en laboratoire, je sais pas comment On ils font. Il est check, si là, je suis y a d'autres genre... questions, on va pas du sperme, je suis là. <laughs> ben, tu checkas, il y a une page TikTok, là, qui est vraiment. Il y a du sperme? Non, c'est une, vraiment une femme qui travaille là-dedans pour voir le, 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 la fertilité des hommes. Tout ça, pis pis, Toi, je pense que c'est juste. C'est un, un, un modèle OnlyFans, mais elle m'a aimé. Elle filme des batchs de, 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 de spermatozoïdes. Puis il y en a, là, mettons, tout bang, là, ça avance là-dedans. Puis il y en a, ils vont de reculons. Il y en a qui ont deux têtes. Il y en a. Fait que, oh. fait que tu prends juste les les bons spermes. Puis ouais, là, okay. tu implantes ça. Puis après ça, tu vois s'il y a des embryons qui pognent. Puis après ça, tu prends l'embryon puis tu le mets dans femme. Mais tu wow. tombes en amour à 42 ans, mais un gars super, je veux tomber enceinte, tu vas porter le bébé ou comment ça fonctionne? Bah ben oui, je porte le bébé. Cool, je sais pas, je pas Mais avec mes ovules de 36 ans. Je comprends. Fait que Ah tout ouais, est... je comprends. Tout Parce est Parce que c'est vraiment une question d'ovules, comme à propos de. De follicules, de. de, de, de c'est très complexe quand même. c'est La fertilité, c'est. Mais dans le sens, y a-tu d'autres choses, mettons, mettons, on va dire, t'as 52, mais t'as des ovules de 36, ça peut-tu être dangereux? Et hey, ils m'ont ça, je sais pas. L'accouchement doit être caulisé une volée. Oui, ça c'est sûr à 100%, caulisé. En général, l'accouchement la, te caulise une volée. Mais, mais à, je, la... je pense que peut-être, probablement, puis là, je parle sans savoir, mais que quand il y a une plante à l'intérieur, l'embryon ne va pas nécessairement euh, euh, rester en vie. Tu comprends? Ah. Dans le sens que, tu sais, le mettons, ils font, je sais pas, un embryon de 15 jours, puis là, ils le mettent en toi. Souvent il y a des fausses couches. Ouais. Fait qu'à 52 ans, j'imagine ah, que le corps être... est peut-être plus, plus difficile. Ah oh, wow! Des enfants, si être une femme, t'es d'enceinte être enceinte. Oui, oui, oui. Mais je suis un homme en ce moment puis je suis bien content de ne pas avoir à faire ça parce que ça a de mais Ça a l'air à la fois de l'expérience la plus merveilleuse. Et la plus terrorisante, à ce moment-là, tout, 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 tout d'être enceinte. Oui, il y a je des comprends. gens qui détestent ça, mais ma, même, vo... même ma voyante beaucoup, beaucoup. elle m'a dit que j'allais avoir une super belle grossesse. Génial. Mais je mais... porte que Tu vois une voyante. Comment tu as rencontré ta voyante? Non, je la vois plus à décédée. Ça, c'est plus rough. C'est ça, c'est plus rough. Elle a ah, t vu venir? Oh! Ouais. Euh... Tout le monde. Ça, de... 100% <laughs> des gens, 100%. Il ouais, n'y a ouais. pas personne qui je dit sais. pas, pas mais ça. Mais ouais, mais... Si c'est votre par un Charles comique. Non, c'est ça a été vraiment. Euh, elle avait des difficultés respiratoires à l'hôpital. avait les poumons remplis d'eau. Ils l'ont péré, puis ils ont fait. Puis y a rien à faire. Wow. Ça a été vraiment. Euh, ça s'est passé super vite. C'est pas drôle, ça. La mort. Des, non. Un peu. Un peu. Un peu. <laughs> non. La mort. Un peu. Ta voyante est morte. avec mort, de l'eau dans les poumons. C'est terrible. C'est Ça c'est. Ah. Toujours... Elle, Comment... elle était extraordinaire. Moi j'ai vraiment pogné de quoi avec elle. Là, Comment tu l'as rencontrée euh, C'est une amie qui l'a déjà vue. Parfait. À te le conseiller? Ben en fait, c'est, je sais, depuis Joanne, j'y crois, mais à un autre niveau. Ouais. C'est un peu épurant. Okay. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle qu qu a prévu chez toi? Euh, ben, D'un, de, de elle m'a parlé d'affaires de mon passé, de mon père décédé, de, des trucs que je ne savais pas sur mon père, que j'ai demandé à ma mère, que ma mère a fait, oh, oui. Wow. Des trucs sur des choses que je n'ai jamais dit dans les médias, que j'ai parlé qu'à des amis très très proches, qu'elle m'a sorti ça avec une précision désarmante. Puis par rapport euh, euh, au futur, c'était euh, vraiment beau là, que j'allais rencontrer quelqu'un d'extraordinaire qui n'avait pas les yeux de la même couleur. Que toi? Précis. Non, il n'a pas les oh. yeux de la même couleur. Chris. 40 ans, métier de protection. J'en ai parlé beaucoup, quand même. Puis là, je suis en train de dire... <inaudible> de bon, ouais, dans un métier de protection. Genre de la toiture, mettons. Ça, c'est très drôle, même. <laughs> c'est sûr que ça, le lien est peut drôle. être... Sûr que, peux, ça peut être gros bar si je rencontre un gars qui fait des toitures. <inaudible> je vais ah Mais c'est quoi, mis à part... Euh, ben, les gars qui c'est quoi, le métier de protection? Ben, tu sais, ça peut être un enquêteur, un policier, un ambulancier, un pompier. Mais moi, je pense que ça peut être permissif, là. Tu un racontes médecin. un humoriste, tu fais il est protecteur du rire. Ah, okay. oh, <laughs> <laughs> je sais pas, non, mais tu peux un peu le faire croire ce que tu veux. Du... En tout cas, moi, je suis pas protecteur. Du mais rire. ça peut être gros barre, ça ouais. peut être très, très gros barre. Un très grand gars imposant, super intelligent, qui gagne bien sa vie. <laughs> Tabarnak, la barre et autres. L'homme immense aux yeux dépareillés qui <laughs> protège la population. C'est extraordinaire. On dirait ouais. qu'elle voyage, je ferais garde. Tu vas rencontrer un gars, un sti, qui mange pas de Kleenex. Là. <laughs> que je m'accroche à ça. Oui, oui. C'est plus ça qu'on pense. Mais quand elle est décédée, moi, parce que moi, j'ai continué à y parler après l'avoir la, après vue, puis elle était comme, arrête plus de me dire Ça n'a pas de bon sens. Je, je pense souvent à toi, puis tu sais. Te dire à quel point tu sais pas c'est quoi le corps, le bonheur, Puis j'étais là, mais Joanne, je suis très heureuse. T'es comme non, 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 non. Tu, ta, ta vie, <laughs> tu, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas tellement être bien, en tout cas, bref. Puis euh, quand elle est décédée, moi j'ai écrit sur son wall en faisant Hey, tu sais, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette femme-là. Je dis, ça serait le fun en, en sa mémoire, tu sais, de, de raconter-moi si vous, elle vous a prédit des affaires qui sont arrivées, puis oh, tout ça, les ouais. trucs en dessous, là, j'en ai perdu mes cils, mes sourcils, puis euh, ça recommence à pousser mais, ouais, ça avait de, pas de de bon Mais ça n'avait pas de bon sens à cause du globules Mais ça n'a pas de bon sens C'est d'une précision, c'est une voyante. Mais euh, est-ce que dans. dans... Je ne croyais pas du tout avant. Tu sceptique avant? Ah, pas sceptique. J'étais comme. C'est quoi, c'est ce petit fou-là? Ah ouais, hein. J'étais comme ça n'a pas de bon sens mm -hmm. J'ai une de mes amies qui l'a vu là. Et il est arrivé exactement dans la, dans la couleur des yeux, le métier, le comment qu'elle allait le rencontrer. Est -ce Exactement. Est-ce que c'est -ce est possible que ça, la, la force cette dame les, la, la force des voyantes, c'est bon. l'écoute et savoir qu'est-ce que la personne veut entendre. Est-ce que c'est possible? Si, bon, je ne sais pas comment elle aurait pu. Euh... des gens très sensibles. C'est une force. Oui, mais tu sais, il y, 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 y a une différence entre être assez sensible à ce que l'autre dit, puis Chris prévoir à peu près 100 personnes, 100 messages de monde que je fais, genre, de, de l'ordre des bébés puis de le sexe des bébés, puis comment qu'elle allait rencontrer le gars, puis le gars, puis le si puis le... C'est quand même impressionnant, là. Est-ce que tu penses que des fois, les voyantes peuvent tracer? Mmh. Ouais. Qui est sais. tellement bonne vendeuse que tu fais, ouais, moi, aller rencontrer un ambulancier aux yeux dépareillés moi. Ouais, puis qu'est-ce que... Des fois, une des... Fo la, 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 Peut-être... Je le sais pas. On sait pas. Nous autres, on sait pas. Peut-être une des forces des voyantes. C'est des gens... C'est pas nous autres. Leurs clients, leur c'est client, des gens qui ont besoin... T'es de... capable, oui. Oui, mais il y a une différence en dire « Oui, tu vas rencontrer l'amour dans la mode en prochaine année » puis dire « C'est tel genre de personne, tel genre de gars » puis que c'est ça qui arrive pour vrai. C'est un que moi, peu ce « fuck up là. Ce qu'on avance, c'est qu'en disant à quelqu'un « Tu vas rencontrer quelqu'un qui va être grand, qui va être doux et qui va travailler dans la médecine », t'es ouvert à des grands gars qui travaillent dans la médecine. Fait que quand tu rencontres des grands gars qui travaillent dans la médecine, tu fais... Ah, je, je tombe en amour, je séduis, puis ça fonctionne parce que ça te trace. Parce que je pense qu'une des choses qui est plus difficile aujourd'hui dans notre ère, c'est qu'on a tellement de choix que ça nous étrange. Non, mais mettons, nous... mettons, à, à, la, à mon ami, elle a dit tu vas, tu vas le rencontrer, mettons, par hasard, mm -hmm. nana, puis ça va être très clair, c'est l'homme de ta vie. Cette personne-là est dans un parter, mm -hmm. au fait Elle est même à danse. Il si y a un gars qui arrive en avant d'elle, il dit Salut, elle fait comme salut, on se connaît, puis il fait Je m'appelle un tel, je suis l'homme de ta vie. Ouais, mais ça, exactement. C'est ouais, non, non, ouais, <laughs> exactement de... le gars qui a fait dire trois mois avant, chez la voyante. exactement le métier, la couleur des yeux, l'âge, un gars qui a voyagé dans la vie, qui est super avenant. C'est comme, elle Juste fait, genre... voyager dans la vie, c'est l'âge. Oui, mais elle dit, c'est quelqu'un qui a extrêmement voyagé. Le gars, il a tra... voyagé dix ans pour le travail, okay. qui travaille dans un métier de... Tu sais, c'est tout ça d'une précision mais je te dis les messages que j'ai lu j'étais comme mais... puis moi c'est ça que j'arrêtais plus de dire j'étais comme mais comment moi je parlais à Joanne mm -hmm. j'étais là mm -hmm. mais comment tu fais je comprends pas elle dit pour moi c'est super clair oh ouais. je le vois je le ressens elle dit la seule chose que je pourrais <laughs> jamais t'assurer c'est le temps fait qu'elle dit je peux voir la timeline de genre tout mettons, ça. je peux voir que c'est proche mais je peux pas te dire c'est cette année mais tu sais pour toi je le vois très 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 proche puis après ça je suis allée voir une nettoyeuse d'énergie quelqu'un quelqu m'a dit ça c'est un drôle de terme va voir va voir cette fille là elle nettoie les énergies ça fait vraiment du bien tu sais des fois quand t'es <laughs> comme chargé de plein d'affaires tu fais comme j'ai besoin d'aller me libérer style la tête mm -hmm. puis je suis allée voir cette fille là elle était à ma gog, elle était malade mentale puis elle, cette nettoyer fille peux-tu tout expliquer le processus de nettoyer l'énergie déjà tu le rencontres où c'est c'est une de mes amies qui a fait je, faut aller voir, tu voir cette fille là tu vas capoter tu l'appelles <laughs> je l'appelle, je ben, oui, puis là elle m'appelle Puis là, je dis, j'aimerais ça prendre un rendez-vous Elle dit, je suis vraiment overbookée Puis ça, j'ai dit, bien si c'est toi qui se libère <laughs> Tu me le dis, je, je viens t'en rejoindre mm -hmm. Fait que, ma dame écrit Puis elle dit, mettons dans deux semaines j'ai de la place J'arrive chez elle, on descend en bas C'était très bohème, là, très bohème C'est très, euh, c'est ésotérique là. On est dans l'ésotérisme Puis là, je euh, pense je... pas que je... Mettons tu Je suis un, îles, un nettoyeur d'énergie Si une femme en tailleur Te répond, tu un peu décevant avec des sûr. talons qui claquent là dans ouais, tu fais comment Moins ouais. ça. Puis euh, puis là elle était comme hey, tu qu'est-ce que tu as envie puis tout ça, j'ai fait ben moi j'ai envie de ressortir d'ici plus légère. Mm -hmm. Elle m'a dit pas de problème, c'est super. Elle était comme t'es es rentrée avec c'était très t la couleur autour de moi, c'était très foncé, très elle a dit on a des affaires à libérer. C'était du c'était genre du gris, du bleu, je sais pas. Puis la première affaire qu'elle m'a dit, c'était on point genre sur exactement le Comment je me sentais à ce moment-là de... Elle dit, c'est une affaire de confiance en toi en ce moment. Il y a, il y a quelque chose qui t'a enlevé toute ta confiance, puis là, faut que tu le retrouves. Elle me parlait d'un lien avec une personne qui est vraiment immense, puis c'est très toxique comme lien. Euh, tu sais, genre, on était... Puis là, ma année, a fait... Là, comme je commençais à être belle, ça y faisait du bien. Elle, elle ouvrait la fenêtre, elle était comme, « Ouf, il faut que ça sorte du sol! » Ça m'intéresse. Que fait-elle? Elle passe les mains par-dessus, puis elle, elle dit... Elle passe oh. les mains par-dessus toi comme ça, puis elle dit tout ce qui, ce qui vient car sans. Huh. Puis, euh, Puis toi, t'as-tu les yeux fermés? Bah ben, tu fais ce que tu veux. Mais toi, ben, moi, j'étais même... comme je respirais. J'avais les yeux fermés, je pense. Ouais, je ouais, laissais ouais. aller ça. Puis là, à un moment donné, le fait, oh, a dit, il y a quelqu'un qui s'en vient dans ta vie, une belle âme. C'est un grand gars, très imposant. Il est proche. Il est vraiment proche. Une hey, oh. belle personne. C'est vrai? <laughs> mais mais ma voyante me parlait de quelqu'un de très grand, très imposant. Tu sais, tu fais comme, OK, ça fait, il y a des liens. Puis t'es comme, t'es rendu là dans ta vie, il y a quelque chose, tu sais, puis ma voyante était comme, ça sent bien, c'est proche. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas eu de collusion en telle puis la voyante, ils ne se connaissait pas. Oh, mais non, zéro, zéro, oh, même bon, oh, bar. C'est collusion, c'est vrai, je comprends. J'aime ça, la collusion. Zéro, même bar. OK, parfait. Je l'ai juste vérifié. Puis j'ai eu, t'sais, t'sais, après, moi, pendant un été, j'ai fait... Je suis fermé, mais j'écoute. J'ai fait plein de j'ai vu... Vu, plein... vu, plein... vu plein de gens euh, un peu genre maître Reiki pis tout ça. Pis, wow, 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 encore là, c'est quoi ce maître Reiki C'est quelqu'un qui fait un massage un peu différent là. mais ça c'est un peu J'ai fait comme OK, t'sais. Il, ça, il moi va ça. jouer dans tes chakras pas mal. Ben, c'est c'est des points puis c'est des respirations puis faut comme tu t'abandonnes vraiment. Pis, là, moi j'étais peut-être un peu trop dans ma tête cette journée-là, mais je suis allée euh, très ouverte et tout ça. Puis euh, elle, elle me parlait de, de quel, que j'avais un euh, que la prochaine personne c'est vraiment un arbre qui était très ancré puis c'est quelqu'un qui est qui est très imposant. Mais oh, mais moi je suis relationship. Moi ma ma maître qui s'est pas trompé. Elle m'a dit que j'allais rencontrer ma femme il y a cinq ans. Elle m'a dit que mon énergie était verte. Elle m'a tout dit. Tout ça. Tout était là. Tout était là. Mais quand je suis partie de chez la nettoyeuse d'énergie, j'étais dans le char et je <laughs> tout... me sentais flotter. Je comprends. J'étais comme toute légère. J'étais tellement bien après, j'étais comme ah. Mais ça se peut-tu, ouais. Théorie, puis moi aussi, est-ce que ça se peut que tu rentres juste dans son sous-sol sombre avec plein d'encens partout, puis m'a maman ta sort au soleil tu sais oh! En, enfin, on n'est plus dans le sous-sol. <laughs> Moi, je vais te dire, là, toi, ça. tu vas aller là, tu vas ressortir, tu vas te dire, c'est de la calice de merde. Parce que je d'esprit maintenant. Parce que tu es probablement fermé, mais peut-être oh, que. Quand... sensible comme t'es. Mais peut-être que. que... Non, sensible comme ça fonctionnerait. Je Moi, je te dis, tu, vas, tu ressortirais de là peut-être en faisant aussi, hey, elle a mis le doigt sur des affaires. Moi, hmm. ma chum qui était allée, c'est fou ce qu'elle a dit. C'est exactement ce que. Ce qu'il faut qu'elle travaille depuis des années. faudrait T'sais que je l'essaie. J'aimerais bien que je je Mais il y a plein de monde qui. Euh... Tu sais, cette fille-là, je veux dire, c'est overbooké. Là. C est, c est... Puis là, comme... dernièrement, je me suis dit, il ah, faut que j'aille la revoir. Ça fait mm -hmm. du bien. C'est comme, il ah, y a quelque chose qui ressort. Tu te pardonnes à voix haute. Ça, c'est un peu gênant. comme, je me pardonne. Je, je te pardonne. Je, je, je fais ça ma fille. Ah ouais? Ouais. Tu Pardon. dis à ta petite fille, je me pardonne. Non, dis... dis mettons, euh, mettons fait une erreur. Les erreurs, c'est pas grave. Tu peux te pardonner. Ah, que que je, pensais, je suis fier de toi. Je, je fais beaucoup de ça. Tu le à voix haute, oh, je m'abandonne. Je pensais la genre en retard à la garderie <laughs> pis t'installais ta petite fille en face dis, de dis toi. Moi, papa moi te se pardonne. pardonne. Papa se non, pardonne. Non, 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 non. Pis dis-moi, dis je te pardonne. <laughs> je te <toi>. pardonne, <laughs> papa. Pis après ça, je, je vais pouvoir rentrer à la maison avec tes basket. <laughs> non, mais je suis très... Ben, je suis très coach de vie que ma fille, je sais pas si c'est Ben c'est bon. ben, normal, c'est pas d'un choix qu'un enfant... T'as le choix, je pense. Un adulte, un parent, c'est un peu un coach de vie. C'est le seul coach de vie légitime, tant qu'à moi. Thomas et Zoé, dit. tu sais. Bien dit. Thomas parle à Zoé comme si elle avait 24 ans puis trois bacs. <laughs> ouais, ouais, ouais c'est un problème. C'est genre, elle vient s'asseoir sur moi, là, elle fait comme « Ah, oh, je veux aller, je veux aller sur euh, maman ». Puis là, je fais comme... Ben, le, euh, Steph, genre, elle fait comme « Ben voyons donc, elle là, c'est ton ami, pis tout. » Non. C'est ses décisions, ses choix, elle a envie de s'en aller, <laughs> ouais. je suis comme oh « oui, 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 non, on, non, oui, on, la, suis, non, on oui. la gardait pas de force oh, non, ouais, non, ». exactement. On était juste en train de di dire, tu sais, c'est sûr, il pas une main dans face de quelqu'un qui est es <laughs> ouais. assis sur quelqu'un, là tu restes sais, « sois gentil ». Non, je suis ouais. très euh, « oui, oui ». Toi, t'es comme « qu'est-ce que tu penses de ça, puis ça va être la bonne chose ouais, ». Oui, je suis vraiment là-dedans. Mais je trouve ça intéressant, parce que je suis le sidekick, là, fait que je vais euh, dire quelque chose. Je trouve ça intéressant que tu sois autant euh, curieuse de tout ça. Je ne l'avais jamais été. Hein. Mais puis que ça vienne d'une expérience qui a comme fait disparaître ton scepticisme. Mais est-ce que ça se pourrait que ton scepticisme réapparaisse ou là tu penses que tu es complètement passé de l'autre bord Puis tu vas être... dis Dis-le. elle a franchi, les rubicons. As franchi, franchi les le Rubicon. J'ai franchi le Rubicon, hein. traversé euh, Jacques Cartier. Mais euh, je, je pense pas que je pourrais revenir en arrière. Parce que j'étais trop. Euh... Tu sais, j'ai vu aussi une fille qui voyait les qui voyait les morts, puis elle m'a décrit mon père en arrière de moi, en donnant des détails, genre que j'étais comme ça n'a pas de bon sens à barnaque. Je vois un couteau avec une boussole au bout. Elle me dit ça. La seule chose que j'ai de mon père, c'est un couteau avec une boussole au bout. Ah oui? C'est couteau de chasse, j'imagine? J'ai gardé ça et dans ma salle de bain. C'est pas vrai que je vais mourir tout nu, moi. Pardon, moi? Puis est-ce que... Tu vas mourir tout nu? Ah, je suis dans la douche. Mettons quelqu'un qui rentre chez nous. J'ai le couteau à mon père Je comprends, je comprends ce que tu veux Mais tu sais, dans le sens des affaires que tu fais, je pense qu'il y, y a comme une autre affaire. Je pense qu'il y a de l'ouverture. Il, il y a des gens qui ont des connexions peut-être plus. Puis après ça, tu sais, pour vrai, que tu y crois, que tu y crois pas. Puis je pense qu'il y, y a des gens qui vont aller là ça va leur faire du bien, puis c'est correct. Mmh. T'sais, y mmh. Il y a pas mal qu'il y a des charlatans qui te font juste te faire sentir mieux, mais que ça veut absolument rien dire. Ouais. Mais il y une en question. a, je pense, qui ont une certaine connexion ou qui ouais. sont capables de. Moi, j'aime dire une sensibilité. Y, je crois vraiment que certaines personnes qui ont une sensibilité vraiment, vraiment, vraiment forte. Et oui, il y a aussi des gens qui sont bons pour lire les gens. Mais toi, tu disais tantôt que tu n'avais pas, pas, pas la foi nécessairement de, type plus, de plus religieuse, ouais. traditionnel, mais toutes ces expériences-là, puis je suis pas en train de dire que tu as un trou en forme de Dieu dans ton cœur, loin de là, mais est-ce que ça, ça pourrait te rapprocher de la cité dans le sens, il n'y a pas une forme de croyance et de la, foi? Selon toi, c'est la spiritualité. Sans dire si je suis spirituel? Non, J'ai non, reformulé la question à Pio, c'est terrible. Pio, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il disait. Est-ce que tu faut, faut que tu aies foi en, en tout ça? Là? Ouais, ben là, c'est comme l'espèce le, le, de pensée de comme la vie après la mort, puis quelque chose d'autre, puis est-ce que les esprits existent, puis est-ce qu'il y a un dieu, puis est-ce que tout ça, là? Ouais. Mais dans le sens, tu disais que t'étais vraiment pas croyante. Fait que mm -hmm. dans le sens, tu, tu crois pas à ces affaires-là, mais d'un autre côté, euh, tu sais, t'es quand même très croyante de ouvrir ouais, les fenêtres, eu... sortir les énergies. Oui, mais on a comme pas sperme. la même affaire. Tu moi, mettons l'histoire de la religion. Puis de où ça part, puis de qu'est-ce que c'est devenu, puis la, la, la bibliothèque d'Alexandrie qui a pris en feu, puis finalement tout ce qui est resté, c'est la religion. Fait que c'est comme ça a pris énormément de place sur la planète quand dans le fond il y avait de, de beaux ouvrages et de beaux romans dans cette, cette bibliothèque-là qu'on verra jamais la vie. Fait que tout ce qu'on a gardé, c'est le fait que c'était très religieux la, 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 à cette époque-là. Fait qu'on on dirait que moi, cette affaire-là, je suis pas ta... Mais en même temps, c'est des gens qui, ça leur fait du bien de croire en quelque chose. Fait que je ne juge pas. Tout comme ça me fait du bien de croire que l'homme de ma vie est extraordinaire et que mes amis l'aiment déjà. J'ai dit ça à ouais. mon ami. J'ai raconté ça à mon ami. Il fait tabarnak. Mais on l'aime déjà. Mais enfin, ben, là, on l'aime déjà. Il c est, est fin. Gros, il gagne bien sa vie. Il est fin. Il est, fin, il est gentil. Pis il va t'aimer comme olé, On l'aime déjà. Ses beaux yeux de Husky. beaux yeux, <laughs> C'est très pareil. Ouais. Mais, je, mais je pense, par contre, que. Puis là, je, 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 je suis rendu au point où que je pense que j'aimerais ça parce que j'ai entendu dire qu'il y en avait une qui était euh, genre. Débile, débile, à un autre niveau aussi. Il y a plein de monde qui ont vu. Et font... Puis j'aimerais ça aller la voir aussi. Juste voir si ça va me casser à faire. Oh Christ, ce pas du tout la même affaire. Mm -hmm. Ou si c'est dans la même direction. Puis là, je fais OK, il y a, y a une bonne étoile ou il y a quelque chose qui. Mais on s'entend que le jour, tu vas voir un homme grand avec deux yeux pas pareils. C'est faux que, tu que vas je vous Puis elle me dit en plus que j'allais le rencontrer dans un sans présentation, qu'elle allait me venir en aide pour quelque chose. Puis là, elle dit Ça peut être, mettons, euh, il t'ouvre la porte, il prend tes sacs, t'échappes quelque chose, tu glisses, puis il t'aide, mais qu'il n'y avait pas de salut, moi c'est. Tu sais, Est-ce que tu tombes tout le temps depuis ce temps-là? Non. Okay. J'essaie pas de. Mais par exemple, il y a des situations où est-ce que c'est fucking drôle, c'est à mon chalet, j'ai un bébé chat, il monte dans l'arbre. ma chum m'a fait On appelé Pompier. Ouais! Ouais! <laughs> c'est sûr que a provoqué le destin. Mais là je suis comme non, parce que ben, à moins qu'il reste là, mais on a réussi à le descendre. C'est mm. comme on va aller au bout de on ira pas tout de suite à la solution de ouais. j'ai vu la voyante, on va aller au bout, on a descendu le chat. C'était pas ça. Mm -hmm. Moi, me connaissant, tu me dis il y a une fille géniale, protectrice, je mettrais tout le temps le feu chez nous, je me ferais arrêter plein d'affaires, j'irais tout le temps à 160 sur l'autoroute, je m'arrangerais. Je comprends, pour... <laughs> je regarde tous les <laughs> je policiers. Me conna... Je me connais, là, ouais. Je regarde vraiment les policiers comme dans les yeux, là. Ouais. Genre, <rire> <Ouais>. <rire> je suis genre « Allô? » Fait c'est toujours enregistré ici est-ce qu'il y a la police là, dans, dans oui, les mêmes? oui, ben oui ah dans le oui. monde. Ah, moi, je pensais qu'elle aimait le podcast, parce encore elle, ça passe encore, <laughs> Je suis vraiment ici juste pour. Non, non, je... ben c'est ça, je veux pas provoquer. Parce que moi, j'étais comme à joie. mais là, je fais quoi? Elle dit, vis ta vie. Je comprends? Fait que j'étais là, ouais, mais là, il il faut que je sorte plus, puis tout. Puis là, le, mettons, en fin de semaine, ben j'ai le goût d'aller à mon chalet. Je vais ouais. aller à mon chalet. Je vais pas aller au Rouge-Gorge, puis être de même. <rire> <rire> <Je> comprends. <laughs> tu comprends? Tu comprends? Il faut vrai. que je continue ma vie. Ouais. ça va me tomber dessus là. Je vois pas ces applications, je vois pas je fais Oui, si tu veux tomber en amour, va pas ces applications. Alors, j'ai essayé ça moi dans ma vie, c'est ça peut être, me, me, me gonner dans la tête. Vite là. Je trouve ça ouais. Je trouve ça tellement déprimant là. Je trouve ça tellement déprimant, tout le monde a dans l'œil. Je veux tellement quelque chose. C'est vraiment comme des vraiment comme des choux à SPCA S'il te plaît, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Ouais, non, je l'aise Pis, hmm. pis moi, tous les hommes avec <laughs> qui j'ai été dans ma vie, je les aurais pas swipés du bon bord. Je me suis ben oui, toi, t'aurais-tu swipé d'Ablon? Ben oui, ben oui. C est pour moi, c'était mon âme sœur. Moi, c'est mon âme sœur. Ah, quoi, je connais rien. ta la amoureuse. je ta blonde? Ouais, c'est ça. Ah, bah, euh, hein. C'est la cousine d'une de, 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 humoriste. Ouais, de euh, Ouais, exact. Fait que, on s'est comme rencontrés par personne interposée. Pis c'est ma cocotte, ma princesse, ma pépus. Tu sais, c'est ma, ma femme. Je suis allé chez elle, on a parlé c'est de toute vous êtes croisés dans une soirée ou ouais. quelqu'un vous a écrit vous, sur internet ou les gens vous ont présenté on s'est écrit sur internet les gens nous ont présenté après ça on s'est écrit sur internet puis on a comme connecté mais wow. c'est pas une histoire comme euh, la rencontre est pas spectaculaire non, euh, plus que ça a cliqué Ouais. Ça a bien été, mais ça a bien. Les été. Les belles histoires, c'est ah, fun. Mais aussi, instantanément hein. cliqué, puis elle m'a fait beaucoup rire. Ça, je trouve ça essentiel. Oui. Ce qui est très rare chez les humoristes, c'est beaucoup d'humoristes qui sont, ils se sentent mal quand une fille ou un homme est plus drôle qu'elle ou que lui. Ah ouais, moi j'aime ça quand, quand le monde me fait rire. Puis aussi ah oui, une autre on affaire. On est bien plus drôle que nous, en tout cas moi. La, la, elle, je la trouve très belle et très très belle. Ça mais aussi est très intelligente. Puis ça, l'intelligence, c'est quelque chose dont on ne se lasse jamais. Et quand on se décolle, mais c'est vrai. Non, c'est 100% vrai. La beauté. Euh... Ben moi, on reste un, beau en vieillissant, mais. Un de mes chums que j'ai rencontré, j'avais 22 ans, 23 ans. Euh, on est allé en date ensemble, puis on s'est vus deux, trois fois. Puis Manon était au restaurant, puis il a fait Hey, Manon, si j'en reviendrai jamais à quel point t'es belle, puis j'ai fait Hey, merci, mais comme c'est ça, c'est ma génétique. Là. En dedans, je suis tellement. J'espère que tu sais, je te plaide. Tu ouais, ouais. mm -hmm. Ça ça me fait plaisir, merci, mais ça, ça, à part le fait que je suis de me mettre un peu de mascara, puis me friser les cheveux, tu sais, dans le sens, <laughs> c'est comme, je suis vraiment contente que la génétique m'ait offert ça, mais comme, hey, je travaille fort en dedans pour être une meilleure personne, puis tu sais ça, ça n'a ça pas de prix. Le, je peux pas croire qu'il y a des gens qui puissent, mettons, fréquenter ou sortir avec des gens que tu fais, bon. Pff. Ouais ouais, elle m'intéresse pas tant, mais j'aime sa hey. part de foufoune. Elle est belle, tu sais. Ça c'est voué à l'échec, tu sais. Ben non, parce qu'il y, y en a qui ça. C'est quoi, si t'assumes ta superficialité, superficielité, ça si, ouais, si peut marcher, ouais. Il Y a des gens superficiels, ça existe. Alors c'est ouais. superficiel. Mais ils font mon... quoi Ils sont assis à côté un côté de l'autre puis ils regardent le sel, genre. Ben ouais ouais. Ouais. T'attends que la mort ouais. vienne te chercher. C'est cool parce que les gens. Moi je suis pour que les gens superficiels se mettent ensemble, comme ça ils en... s'enlèvent du bassin. Mm -hmm. C'est parfait. Puis ça yes. doit être ça, puis ça doit être ça. Dans le sens, tu, tu peux pas être avec euh, quelqu'un de profond, super ça, ça profond, puis la fille, elle n'enuşe, tu sais, non. ou qu'elle n'a rien à dire, ou que ça est tente, tu sais, puis elle, ouais. qu elle, elle est comme ah, moi si ça fait là, là, j'ai pas le goût de parler de ça. C'est sûr que le gars il fait, c'est oh, bien de baiser deux fois, mais après ça, ouais. c'est vraiment faut que je pense que ce soit des gens entre eux qui sont beaucoup dans la dans l'apparence, mm -hmm. puis dans le le paraître, on va, va dans le sud. Si pis... Les autres qu'est-ce qu'ils pensent de nous Si les autres nous aiment, on va s'aimer. Ben Là-dedans, soyez ensemble. Outfit of the day à deux là. Ouais. <rire> ouais. <rire> mais ça existe. Pis, ça, faut ça faut pas, on les juge pas là, On mais... les juge énormément. C'est ah, correct. Moi, je Par juge contre. Pas. Je suis pas ensemble. dans le jugement. Je suis pas dans le jugement. S'ils sont heureux, c'est quoi le but de la vie au bout du compte Être heureux le plus de pourcentage de ça, temps ça, avant de mourir. Reste, si les autres sont heureux, dit ça. Depuis qui dit ça, je remets ça en question. Je pense que le. Je pense pas que le, <laughs> le but de la vie c'est juste être heureux parce ouais. que y a, ce qui nous rend heureux, ça rend. C'est pas ce qui rend les autres autour de nous mieux. Moi, je, je suis d'accord. Moi, je pense que le but de la vie c'est rendre la vie plus agréable et plus douce pour les autres après nous. Je, je crois beaucoup que dans, dans, au sacrifice. Je crois beaucoup à faut penser aux autres. Je crois beaucoup à l'effort, plus que à d'autres. Oui, mais, heureux, mais, mais puis... je pense qu'il faut que ça vienne, je, je qu que que ça vienne ça. Euh, naturellement, dans le sens que ce soit quelque chose que tu fais parce que tu as envie de, genre, de rendre les gens heureux autour de toi et non, genre, c'est ça ce qu'il faut faire, fait que je vais faire semblant pour avoir l'air, tu comprends, d'aider les autres puis de rendre les gens heureux. Je sais pas ce que je veux dire. faut que ça soit naturel. Si pour toi, le bonheur, c'est de Bref. rendre les autres heureux. Moi, si quelqu'un m'aide. Puis il le fait de manière superficielle, puis égocentrique, j'embarque. Ah! Ça m'aide. Oui, J'ai envie de me faire aider par quelqu'un que ça, ça y tient à cœur. Pour oh, moi. <laughs> non, parce que je ne serai jamais. Je ne sais pas <laughs> comment l'autre personne se sent euh, profondément, puis, ni les intentions des gens. Je connais pas les intentions des gens. Si ça me fait du bien, hurrah! Je comprends. Ça m'aide. Ah, mais dans le fond, il t'a aidé, mais dans le fond, c'était pour euh, que l'autre l'apprécie. Chouette. C'était pour venir à ton podcast. Chouette, m'en fous. Viens. Stéphane avec moi. Stéphane avec moi, bien. ça se passe bien. Chouette, ça, ça te regarde. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas ouais. obsédé par les intentions des autres. Ouais. Tout ce qu'on a euh, au bout de la vie, là. <laughs> non, quoi? mais c'est les autres. Je <laughs> suis d'accord. Puis ça gosse parce que des fois, les autres, ils sont gossés en tabarnak. Ouais, là, tout à fait. Euh... Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, moi, on, on, on va mourir tout seul, pareil. Mais oui. Mais moi, je... Non, moi quand, pas quand pas je vois des Idéalement entouré de, de nos proches. Là. Ouais, quand je vois des funérailles. Puis il y a plein de monde, là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, là. Ah, ça me touche. Moi, je pourrais ah, travailler stress, comme une vache. J'adore ça. T'aimes le travail? Non, ben j'aime pas... les. Évidemment, j'aime pas la mort des gens ça. que je connais. J'adore la... Ah oui. Moi, c'est serrer ma la main non-stop que je tripe moins. Tu comprends? Mais quand il y a carrément du monde, puis là, tu fais « Ah, il y avait une communauté... » Vrai, de cette personne-là en ouais, ouais. Ouais, ouais que les gens l'aiment. Puis ouais. que... moi, ma belle-famille, c'est des agriculteurs. Wow. Fait que genre, quand euh, il pas, ouais, <laughs> y en a un qui subit le trépas, quand il y en a un qui subit le trépas, qui reste la communauté au complet là, puis je trouve ça hot, puis tu fais « Ah, stie, dans le fond, c'est que ça, hein? » C'est ouais. ça. Au bout du compte, c'est ouais, ouais, d'être bien entouré, d'être heureux, puis si la fin du monde arrive, tu es avec ton monde, stie. Tu crois beaucoup à la fin du monde? J'y crois pas. J'aime ça penser que ça peut arriver. Okay. J'ai l'impression que si la fin du monde arrivait, on serait plus heureux. Qu'est-ce que tu faisais? On reviendrait à l'essentiel. C'est-à-dire tuer ton voisin en offensive avant qu'il tue, genre. C'est <laughs> ça, Tu comprends-tu? <laughs> non, mais de faire comme, genre, là, c'est du manger, de l'agriculture. Tu sais, agriculture, chasse, pêche, euh, amour. Euh, euh, on sort refait une société. Tu penses que le temps d'aimer si tu penses autant à la survie? Bien, quand tu t'installes, si tu t'installes. C'est plutôt s'installer s'il n'y a plus rien. Il y aura toujours. Ben, il, y a, il, y a, il y en a en masse. On a, mettons que tout shut down, il, il, il y a du stock. Là. On n'est pas pire pour une hostie boot ». C'est juste que là, c'est le meilleur gars. Mais t'as-tu un plan? Si, mettons, la grille hydroélectrique shut down, hmm. j'ai plein de. J'ai un, un groupe d'amis, on a des départements, on se rejoint à mon chalet. C'est quoi ton département? Ben c'est sûr que moi je, 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 je vais le dire il y a un côté de moi qui, euh, qui moi je serais très euh, combattante un bandeau je me mets un bandeau tu comprends tu? Je, me ra, je me rase les cheveux puis euh, t'as envie puis... de tuer quand même on sent oui. que t'as une certaine tu t'as une violence t'as un comme une moi violence si envi... j'ai en envie toi. de protéger oui. mon clan moi j'ai envie de faire je comme j'ai envie de faire comme toi là tu viendras pas faire chier ma gang. Ouais, tu ouais. tu? Si fâche... tu veux nous aider, qu'est-ce que tu peux nous apporter à nous autres? T'aimes bien le tribalisme. T as envie de tomber dans un tribalisme exacerbé. Mm -hmm. Un animal qui, qui part avec une hache et qui fait S'il est fin, s'il est en médecine, si c'est un médecin, on le prend. <laughs> ouais, ouais. Sinon, désolé, mon pote, c'est tout pour toi. OK. Moi, je mourrais tout de suite. Je, le sais. je un des premiers à manger, moi. Manger ben là on mangerait pas des humains tout de suite en partant, il y a du canage en masse. Ah, on il y a va des vider gens, Maxi P.G.A. bien du bon qui fort ben là, ça va mal, faut manger du monde là, on va faire mal rapidement. Je pense que rapidement. Il y a des si, gens qui avaient ouais, paraguay, paraguay, pas des. Pas au paraguay, mais l'histoire qui est arrivée le cercle des neiges là, les oui. survivants, là, ça a pris du temps, on estime qu'ils commencent à manger là, des humains. Ouais. Quand Ils quand ont même. mangé valises de cuir avant. Non, mais tu sais, je veux dire dans le sens... Il y avait de la bonne par contre là. C'est des bonnes valises, lui Non mais il y a de la il y a, tu sais il y a du bétail, il y a de la du canage, il y a de, oui. de la bouffe en masse avant là. Des herbes. Mais eux c'était des années 70, c'était religieux, Ils étaient très catholique, ils avaient peur euh, de, de pas, aller en enfer dans l'enfer s'ils mangeaient. J'ai l'impression, j'avance ça il y a des gens qui veulent manger d'autres gens puis qui font ils veulent juste une excuse. Ben oui, ben oui, ben oui. Ah, tu quoi ça fait trois minutes là que Il y a pas ouais, d'électricité, ouais, il ouais. une faut commencer à se manger. Hey, moi j'ai je voulais faire un, un court-métrage ou genre une mini-série ou quelque chose de

non, mais tu sais, des grands... Puis là, pis ça coûte cher. Tu mettons, là, je sais mm -hmm. pas, moi, c'est Hubert Reeves, puis là, tu fais... OK, comme, il y a une liste d'attente, puis là, c'est apprêté avec les plus grands chefs du monde. Uber Reeves, ça? c'est un choix, c'est un la on dirait que je sais pas. Je me dis de la, la bonne viande intellectuelle. Je sais pas si l'intellect a un, un impact sur la viande, mais je peux me tromper. Ben tu sais, je me dis, les athlètes vont peut-être être un peu reddish. Je bon, comprends. Comme pas Georges Saint-Pierre. Georges doit être raide. Ouais. Pas beaucoup de gras. Zero. Une viande très. Tu sais. Fait que c'est fun d'un peu de gras au de l'os. Tout à fait. Je sais pas, je serais curieuse quand même. Je sais que ça n'a pas de bon sens de parler de ça, mais quand tu y vas, tu fais OK, on enlève toutes les émotions, on se ouais. détache, on y va objectivement. Mm -hmm. C'est sûr qu'après été, il y a quelque chose. T'imagines-tu le genre. Le... Marie-Claude Barrette, elle doit être délicieuse. Mais elle est délicieuse déjà. Oui. Fait que, que c'est sûr qu'elle a une assiette. Je veux dire, c'est fin de même. Euh, je, je, François je... Legault doit être très bon. Notre premier ministre doit être très... Tu penses pas? Moi, je mangerais pas François, non. Ok, tu mangerais pas François, ok. Non, j'irais pas avec François François. Mm -hmm. Qui est-ce qui vient de décéder dernièrement, là? Euh, euh, <laughs> le gars qui s'est euh, immolé pour euh, la Palestine. <laughs> Lui, il est mort dernièrement. Navalny. Ouais. Navalny. Ça, je paierais cher. Je pense qu'il est empoisonné. Tu manges... Tu je pense qu'il a été battu à mort toi il a été battu à mort en prison wow. torturé, pas possible, torturé euh... Ah, euh... mais tu sais manger de la viande courageuse là. Que ta vie va mal quand tu souhaites être empoisonné plutôt que battu à mort Oui, ah, c'est l'enfer ouais. ça existe encore en ce moment mangerais-tu euh, si c'était possible euh... Qui tu mangerais, c'était possible, qui est mort dernièrement. On a déjà pris euh, le gars qui s'est immolé pour la Palestine. Ça n'a pas, bon <laughs> pas de bon sens ce que tu dis, tellement. Ça n'a pas de bon sens que tu dis. J'en pas. Le plus drôle de ça, c'est que <laughs> le plus fou de, de, du gars qui s'est immolé, pour ceux qui savent pas, il y a quelques jours, il y a un soldat américain qui s'est immolé devant l'ambassade d'Israël en disant euh, libérer la Palestine. Il y a un policier israélien, pendant qu'il s'immolait, il a sorti son arme à feu et il le pointait. C est bonne, est bonne, est bonne. Hey, hey, arrête de mourir Parce qu'il qu est devenu noir à cause du feu. <laughs> c'est une excellente joke. C'est une excellente joke. <laughs> il est devenu noir. Il <laughs> est devenu noir. C'est le genre sortes. de vieux réflexe, tu sais, comme de réflexe. Ouais. Tu vois qu à quel point c'est. On est drillé, ouais. Est... lui ton âme sœur, c'est l'Israélien qui a pointé l'âme. il protège. Lui, il lui a voulu protéger Israël. C'est malade. Mais de... Non, mais je... parce que moi me... je me dis Ça pourrait qu'ils se mettent un bon film. Euh, manger oui, je suis d'accord. Mais tu sais quoi, ça pourrait faire un bon épisode de Black Mirror, ça. Je suis d'accord. Ouais. Genre une heure bien serrée, là, une esti d'affaires de justement que maintenant tu peux payer pour manger ton artiste préféré qui est décédé. Ah, Puis là, ça... t'as une liste d'attente, c'est des prix de fou. Mangerais-tu à Restyle? Je mangerais à Restyle cru. Je comprends. Ah. Je comprends. C'est mieux de même. Dans le dedans de la cuisse, mmh. ça Même Comme s'il a dansé euh... avant, là. Ça, 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 apparemment ça goûte le porc, les tout humains. ouais c'est ce qu qui ça qu'ils disent. J'ai écouté un tout podcast. J'ai écouté un podcast. cannibales. <laughs> non, il, y a, il, y a, il y a une histoire d'un tueur en série aux États-Unis qui. Euh, qui euh, il a tué, genre, mettons, je sais pas 15-20 personnes, puis il y avait un food truck qui vendait des hamburgers non. de bœuf et de porc. Puis pas vrai. il l'a il avoué après. C'est pas vrai. Tu fais que tout le monde mangeait des burgers d'humains. De, ben non. Il wow. Faut que la MAPAC embarque là-dedans, m'amener. C'est crime de, c'est bine. Tous ceux qui aiment le podcast, crime de bine. Wow. C'est eux qui ont raconté ça sur leur Patreon. Tu prends On oublie là. Haha, on déconne. Mais éthiquement, là, je ne sais pas pourquoi ça marche, là, mais toi, accès. à un. sur qu'un mode des étapes. Là. Non, mais non, mais non, mais si tu me dis avant de décéder, Thomas, je te donne le droit de le faire, je le signe. Ouais. Est-ce que légalement, tu as le droit? Mm -hmm. Je pense que non. Je pense pas. Fait, fait même si ton propre corps, tu me dis, moi, je... vas-y, goûte. Ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème. Après être comme tu veux. Je pense que non. Ben pense... non, parce que, faudrait que ça passe par quelqu'un qui, qui a peur. Mais je ne peux pas je... prendre ton corps et t'ouvrir la cuisse. Euh, pour être passé chez le, chez le notaire dernièrement, il a dit le... non. <rire> <rire> Mais le notaire revient souvent à. Le consentement, c'est super difficile et ben c'est ouais. super. Litigieux. là. Alors. Euh... Non, mais tu peux pas. pas... J'imagine que dans 500 ans, on va pouvoir faire. Ben, moi, je prendrais l'aide médicale à mourir, même si je suis en phase terminale. Euh, ouais, probablement. Tu sais, dans, tu, même dans, on va dans 5 ans. Ouais, ça, 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 ouais, ça, ouais. ça va les Mais comment ouais. peux-tu ouais. décider, Asti, tu sais? Mais c'est sûr que. Le là, gouvernement va ça... encourager, encourager le monde. C'est sûr que là, par exemple, genre à 22 ans, juste parce que ta blonde vient de te laisser, c'est ça. ça c'est Tout ça, c'est top. mais ouais. Mais goûterais-tu à de l'humain, C'est éthique? On dirait que. Je suis pas assez épicurien, tu sais. <laughs> mais... Même pas curieux, épicurien, c'est tel que C'est dans le sens <laughs> genre j'aime pas isoler puis, je suis sûr, si j'essayais plus, je, je me mettrais aimer ça, mais je sais pas assez le pas goût assez des élucuré. saveurs. On a la meilleure station de tous les temps. Je pense pas que j'aimerais l'être humain. J'aime même pas les olives. <rire> ben, <rire> sûr que ben, je suis pas sûr qu'une bon. qu fesse de gars, ça va me faire triper. mais c'est pas le bon la fesse. La fesse, ça doit être la meilleure, probablement. La... Mais si n'aime pas les olives. Je si t'aime pas, pas isoler, il Continue là. à prendre du poulet frit, je pense. Je pense que t'es plus là-dedans. L'épaule, peut-être. Non, mais. Du dedans non, mais... de, de, la... de la cuisse, tu sais, toute la tête. Dedans de cuisse, mollet, peut-être. C'est pas du gras, mais les muscles qui sont là. Une sauce... madame, là, qui, qui, qui... Ouais. Ouais, mais mais tu sais, qui est. Ouais. Ou un monsieur qui est du gras. Non, mais ça, c'est du gras, là. Il n'y a pas beaucoup de viande. Ah, t'as raison, ah, t'as es raison. Allé. Mais ça peut être très, très bon, bien apprêté. Tu sais, il y a des Il y a beaucoup de cannibales, là. Ça existe. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Ben dans l'histoire, mettons pour. Dans l'histoire, il y a eu couple de cas de... De, de. Ça, 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 rébut, ça existe, ça existe, ça existe. Ah eh oui, c'est ça, c'est ça. Il y en a-t-il ça... ce moment en Corée du Nord je, 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 On ne sait pas grand-chose en Corée du Nord. C'est ça le côté plat de la Corée du Nord. Mais ben moi, j'ai lu un média nord-coréen il n'y a pas longtemps parce que je voulais aller chercher <laughs> mes informations directement à la source. Oui. Puis. Okay. Et vous serez surpris d'apprendre que King Jum un est très, très beau. Ah Selon les, selon les médias, pas selon nos yeux. Selon... ben moi, je consulte les sources officielles. Oui, mais Coréenne. les gens disent que là-bas, mettons, c'est un... Les un... médias, apparemment, il a créé une fusée qui va super bien. Qui est, est beau. Puis il est fucking chaud. Il... il envoie beaucoup de fusées, hein? Ça commence à être inquiétant. un triple de fusées. <laughs> il aime beaucoup la Réunion. <laughs> mes yeux, à moi, ne trouvent pas ça. Ah, mais peut-être que la... c'est la propagande américaine peut-être qui nous... Qui nous empêche de voir la beauté derrière mm -hmm. cet homme. Oui. Mais peut-être que là-bas, il... il fait partie des standards de beauté. Ben mais c'est le, le standard du, ultime C'est le seul que du gras dans le pays fait que je pense que ouais c'est il est ouais. spécial C'est ah ben ouais seul qui a pas la peau sur les os trouvez-vous mmh. que Poutine est sexy ouais je, 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 je trouve que tu as répondu vite, vite. un peu j'ai tu un peu euh, touché moi je dirais que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait mais ouais, qu'il est quand même tu sais il est pas c'est pas un homme répugnant <laughs> Il y a je des vois. yeux, il te regarde ouais. avec ses yeux, là. Puis là, il te fixe là, dans le fait fond de ton âme, là. Il ne fait jamais de discours public, est-il, puis il n'y a pas d'avoir une balle dans la tête. Ah oui, il y a 8000 doubles, à peu près. Pas de bon sens. Moi, je suis Mais... fan de quelqu'un qui a beaucoup de doubles. C'est ça, oui, <rire> 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 fait que t'aimes Fidel Castro. et... Euh... Ah, Fidel, il y a Fidel Castro, c'est facile. Tu prends un gars qui a une barbe, un chapeau, un cigare, puis c'est Moi j'aurais pu. On le, crois, Fidel on le croise Castro. partout. Ouais. Euh, euh, est-ce que vous trouvez que Joe Biden est beau? Non. Et non, non. Euh, non, jeune, non. Était, jeune était époustouflant. Moi, je trouve ouais. que ça, ça reste quand même un bel homme de son âge. Il a une belle voix. C'est juste qu'il s'en sert pour dire des affaires incompréhensibles, mais il a quand même <laughs> une belle voix. C'est vrai. Ça avait plus de sens. Qu ce qu'il dit? Je me poser la vrai. question, est-ce qu'ils ont le droit de faire? Là, si tu viens, si maintenant qu'il y a un diagnostic de mm -hmm. début de démence, il perd tout. Ronald Reagan, dans son deuxième mandat, était scéné. Ah, mais attends, Joe Biden, il est sénile depuis un petit bout. Là. Ça regarde mal. Non, mais y a il a eu un qui... diagnostic? Si mais oui, ils veulent pas y donner, parce que... Il a... pourquoi les... Ils il en ont fait un, puis a chialé. Ils ont il il fait le diagnostic en disant, il a pas une super bonne mémoire, puis dans la conférence de presse... Donc. Il a mélangé le président du Mexique et de l'Égypte. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, mais il, le, 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 le rapport, que je ne sais pas, c'est pourquoi ils ont ouais. fait ça. il disait que c'était un vieillard aimable avec des, une mémoire et... défaillante. Ouais. C'est ça, grosso modo. Mais au bout du compte... Il l'a mal pris parce qu'il a dit qu'il se rappelle pas vraiment de la mort de son fils. Puis il dit comment ils peuvent dire ça. <laughs> mais au bout du compte, est-ce que c'est vraiment lui la tête décidante Je ne crois pas. Là, non, il doit avoir une équipe vraiment il est bien entourée. C'est juste est la, est la tête state, qui, est du charismatique. C'est juste. Il ne sait pas où. Si Joe Biden c'était ton grand-père, là. Je ferais comme quand grand-pont à notre père. Te ouais, mais tu dirais, il est vieux en tabarnak grand-papa. C'est une question assez intéressante. Est-ce que c'est éthique que le président, le chef de l'armée la plus puissante de l'histoire de l'humanité, ce gars-là, je laisserai pas conduire mon char Mais non Mais non, ça n'a pas de bon sens. Ça fonctionne mais pas. Mais il là. peut être à la tête de la plus grande armée, ça, il a pas de problème. Mais jamais il pourrait garder des enfants. Obama était déjà un plus jeunes présidents. Je le laisserais pas, oui. laisserai pas manger de la viande que j'ai pas coupée au préalable. Je ferais fondre sa crème ah. glacée si je lui en achetais. Non, non mais c est, c est, tu le laisses pas cuisiner là Non, non, je, je, je le mettrais dans une pièce toute capitonnée <laughs> que c'est des, des matelas partout. Je vais le Chris. Cet homme là, là il y a un bouton rouge dans son bureau, il pense c'est pour appeler son infirmière, Reste-t-il? Je, je pense pas je pense pas qu'il se lave tout seul. Là. Bonne question. Est-ce qu'il se lave, se lave avec tout ça, je pense pas. Hey, combien d'injections cellules souches ils font par semaine? Pas, assez. Moi je, je pas doublerais. assez. Moi, je doublerais. man. <laughs> oh. pas mais ça n'a pas de bon sens d'être vieux de même, d'essayer de gouverner quelque chose. Là. là, il monte à cette heure les marches de son avion. Il, il monte une marche par fois. Il est concentré. Ouais. Genre, plus euh, un pied par marche et deux pieds sur chaque marche. Là. Ouais. Puis c'est correct. On vieillit tous. C'est juste que tu fais. Mais toi, on vieillit tous, mais tu n'es pas à la tête. D'un pays très puissant. Non, exact. Qui a un impact sur tout le monde. Puis là, après Donald Trump, c'était comment on veut un président qui a plus d'écoute de la population Ils ont élu un gars qui t'entend pas si tu parles pas dans sa bonne oreille. Ah <laughs> <laughs> qu'il est vieux. C'est tellement triste, là. Le Trump va revenir, l'Ukraine, ça, ça va être démoli en cinq minutes. Ça va pas bien dans le monde. Ça va pas bien en Ukraine, en tout cas. C'est pas, pas super. Mais ben non, mais le Trump qui est quand même pro-russe, euh, il veut enlever des troupes. Ouais. Oui, ouais, veut... il... je connais c'est quoi Il veut juste il... Il est plus isolationniste, mm -hmm. retirer des troupes partout. Qui est pas un... peut-être un... une mauvaise affaire pour un pays qui a des trilliards de dettes, puis qui... Il... qui est en train de déstabiliser toutes les zones, mm -hmm. de faire un petit peu moins de guerre. Je comprends. Je suis pas un politicien, mais j'aime toujours... pas la guerre. J'aime pas la guerre. Non, c'est ça, mais c est... C est... ça m'a toujours C'est pas, t... 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 pas parce que tu enlèves des troupes que la guerre finit. Je comprends, non, mais des fois c'est pire, des Quand... fois ça aide. Quand t'envoies des milliards et des milliards et des milliards de dollars en armement, t'as quand même un incentive économique à constamment être en guerre. Mm -hmm. Moi, ça me déplaît un petit peu Mais comme ça. Ce c'est pas parce que, a, pas parce que arrête que la guerre va terminer. Es que, non, je suis sûr que c'est vrai. Continuer, puis continuer, puis continuer, puis continuer. Ça, moi, je, je suis vraiment fasciné par ça de faire. On dirait que c'est comme je comprends pas que ça existe encore. Je comprends, je comprends pas. Ah, c'est macaque moi, en là, que... Moi, là, je peux faire 25 ans de prison si je tue mon mari qui me bat depuis 15 ans. Mm -hmm. Ouais. Ben juste 25, c'est beaucoup. Mais un président fait comme « Allez, tuez-les tous! » Non, il y, 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 y a un monopole sur la violence. « J'aime pas l'État, réduisons la taille de l'État. »« Viens, mille on va l'avoir. » Ah ouais, tu vas en prison, <laughs> tu vas en prison, tu, tu te bats en prison, c'est encore plus lourd de sentence C'est quand même drôle qu'on ait on a fait, un, on a fait un système qui fait que quand il y a des méchants, on les met dans une place, puis c'est tout barré. Ouais. <laughs> ils sont tous dans une place, ils sont tous embarrés d'une place, puis il y a des gens qui sont comme tu restes là-dedans, toi, pendant longtemps. Non, mais spécial. Si tu, sais, tu payes pas tes, tes impôts à m'emmener, tu vas te ramasser dans une genre de cage, I guess. Je ouais. sais pas comment ça fonctionne. Pas je sais pas, si, pas comment ça fonctionne pas. non plus, mais je pense pas que tu as le droit. Oui, mais je sais pas si te mettre dans la même cellule que du monde. Non, que... je sais que tu, je tu ne vas pas même. partager un, un appart avec le Goroco Magnata. Tu pas à, à, à Port-Quartier. Je sais plus comment il s'appelle, malheureusement, mais le gars de Wolf of Wall Street, son co-chambreur, tu... c'était un des gars de Chichin Chong. C'est lui, lui qui a dit ton histoire est intéressante, écris-la. Ah oh, ouais. Attends, un des gars de Chi Cheng Cheng uh -huh. était en prison? Oui, parce qu'il aimait sa weed. Ah. Puis je sais pas s'il si payait ses impôts aussi, mais c'était son coup <laughs> de voir. Et d'où est partie la genèse d'un film? Oui, un livre. Il a lu Le bûcher des vanités de Tom Wolfe. puis il a fait ça, c'est mon modèle, puis il a écrit son livre super rapidement. Intéressant. Qui est devenu un best-seller. Intéressant. Ça commence à être. Euh... Très, très. Beaucoup de référents, beaucoup de. Mais oui, mais le bûcher d'événité, c'est hot, là, Thomas. Je wolf. comprends, je comprends. C'est juste que si, <laughs> tu, si on me parle du tricheur, j'ai des référents. <laughs> je ah, tu es le tricheur, toi Tu sais, je l'ai déjà fait. Ouais. Non. À, non. Euh, proche euh, de à... ça. Fais-le. Mais rendu... j'adorerais ça. Mais tu es rendu là, Tu es là, man? rendu là Pff, Oui. Tu le ferais pour quelle cause Oui. Euh... Qu'est-ce qui tu veux aider C'est quoi la cause La réduction de <laughs> l'état. Ouais. <rire> Je donnerais tout au parti euh, libertarien. Ouais! Ça serait malade! Oh, ça... Je joue pour le parti libertarien <laughs> du Québec! Ça prendrait les enfants en fait. malades! Oui. <laughs> J'ai le doigt comme « C'est qui, lui ouais. ?»« Je Defund le Parti Marxiste. »« Marxiste, oui. ouais. <laughs> »« Defund oui, Lénine. »« Oui, parce que le Parti Marxiste, là, il croule sous l'argent. Ils savent plus quoi faire avec. »« Ouais, je veux mettre <laughs> la hache une fois pour toutes dans le communisme. C'est pour ça que je suis au tricheur. <laughs> »« tu sais, oh, Je dire te, dire te à quel point, même. Tu veux dire à quel point je suis pas Fucking là ?»« Fucking autres. Je suis moi, ouais. Mais tu devrais vraiment faire le tricheur. Ah, j'adorerais ça, mais Chris, tu m'appelles pas assez, à mon goût. Si on joue, man. T'es-tu un bon menteur? mets en moi. Euh. Non, mais tu penses. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est dur. les squelettes dans le placard? Ah, mais c'est pas ça, le. mettons le. Le tricheur? Ok. Qui. Ok, qui. En quelle année, le Gutenberg? À quelle année, 1440. 50. Ah il est bon, il ah, est bon, il ah, est, bon. 50? 50? est bon. Non il est bon. mais il oui. faut, faut que tu... es Mais quand t'es le tricheur, il faut que tu fasses semblant que tu l'es pas, mais quand t'es pas le tricheur, tu peux faire semblant que tu l'es pour berner puis aller chercher l'argent des autres. Ah c'est ça je serais pas bon parce qu'à chaque fois que j'aurais l'information, je serais comme je veux afficher ma culture générale Rien. par rapport à laquelle j'ai les... un complexe. Ouais c'est mais que... les gens s'en rendent Quatre pas compte, compte, compte <laughs> parce que tu, tu le sais jamais si t'es tricheur ou pas pendant le jeu, fait qu'on s'en rappelle pas après si t'as une bonne ou pas. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que moi, je suis au bûcher des vanités. Là. Je serais trop vaniteux. Là. <laughs> tu serais bon, tu serais super bon. Parce ah, que tu serais comme un peu neutre. Merci beaucoup. Ouais, yeah, man, ça me fait plaisir. tu excellent. Mais où, <laughs> tu... Où, où tu sais beaucoup, beaucoup de choses. Fait que les ah, il y a bien une bonne réponse, tu dois être le tricheur. Non, il est juste brillant. Ouais. Mais tu peux aussi faire tu sais, <laughs> dans, dans une de tes réponses, tu donnes un peu trop d'informations, puis tout le monde est comme Oh, 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 mon Dieu. Puis après ça, c'est pas toi le tricheur, mais tout le monde a dit que c'est toi le tricheur, fait que tu ramasses l'argent des. Toi, as tu t'as des bons scores ou tricheur. Full, mais moi, j'aime ai... beaucoup ça, là. Je suis quand même bonne au tricheur, ouais. Oui, wow! puis t'es quand même pince sans rire, tu t'sais. T'es quand même deadpan. Ouais, dans mais j'ai sens Si tu me mens ou tu me dis une vraie information, je pense que j'aurais de la misère à déceler ton tel... body Il, language. Tu sais, plein Mettons, tu peux faire, tout le long, tu fais, t'es super stoïque, puis tu, tu, tu dis des réponses. Comme si t'étais sûr que c'était ça, c'est pas ça nécessairement. Tu sais ben oui, je le sais, moi, suis allé en Australie, j'en ai vu de ces animaux-là. le monde est comme, voyons, Fait que tout le long c'est de même. Bonne réponse, pas de bonne réponse, bonne réponse, ils sont comme de quoi qu'elle elle est bizarre c'est elle. Les ateliers Daniel Fichot, y a-t-il un segment juste tricheur Devrait. Ça serait bon, ben ça pourrait moi le donne. Peut-être le donner, je pourrais le donner. Ouais ouais, ça serait bon. C'est l'écho de quoi C'est l'école de l'humour. Non, <laughs> ça pourrait remplacer le cours de clown. Hey le, co moi là je vais te dire l'école de l'humour là. <laughs> ok let's go. Non mais c'est parce qu'ils nous ont donné un. Parce la on dernière est du session. Du même avis je Non mais la dernière session on avait cours de claque dans la face là, c'est le cours de clown là. Ouvre <laughs> okay. une porte imaginaire, fais-toi donner une claque dans la face, roule sur un matelas. Ai tout aimé, on moi. dirait que j'aurais pris taxe, comment <laughs> taxe. Ah oh oui, 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 oui. Partir oui. en, pro oh, partir oh, en, oh, en oh, production. <laughs> Gérer une soirée d'humour. C'est oui. sûr que oui. C'est comme ça. Ta... C'est sûr que j'suis le slapstick est moins performant. <laughs> dans la... On utilise moins. On utilise moins. Ah, hey, ah, vrai, ouais. Là, je suis d'accord. C'est tellement vrai. Moi, j'avais j'ai fait peut-être 13-14 ans, les de l'humour. On avait un cours de société et comment la société fonctionne. Ah ouais, bon, ben ouais, mais ouais, avec, ouais. avec des gens qui ne savaient même pas c'était quoi le Parlement. Avec des gars... Avec venait des nous parler de, qui venaient de nous parler que les singes avaient le même, la même glande dans le cerveau que, que nous quand on rit. Ouais. Oh, c'était oh, Le cours c'est les singes. Je l'ai ouais, eu, moi aussi. Tu sais. Moi, j'ai pas eu. c'était Il euh, y avait des débats de société avec des gens qui venaient d'apprendre qu'on vivait en société. Et des gens qui. Ah oh ouais, moi, j'ai écrit des essais sur la différence. Ou les cours de mouvement aussi qu'on avait, tu sais, de faire de l'arabesse, de, 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 de. Ouais, on ça, des, moyen, des diagonales le même. C'est vrai que. T'es un fromage à 70 Je comprends ah, J'ai reçu un email d'Antonio Diallo la semaine passée, notre professeur de français de l'École de l'humour ouais. C'est un scam. Je le sais, okay, mais, okay. mais j'ai bad tripé. Ouais. Il m'écrit Allô, Marilyn, est-ce que tu peux me répondre maintenant Je suis comme Oui, tu reçois-tu, mais moi, je suis allée en Haïti avec lui. Là. Ouais. Que, je lui dis Tu comprends-tu, Antonio, Antonio. Mm -hmm. Puis il me dit Écoute, je suis en phase terminale d'un cancer stade 4 avancé du, du colon, nanana. Puis il dit J'aurais quelque chose à te demander. Fait que là, moi, le cœur m'arrête. Puis je me dis Il veut que je reprenne la branche Haïti. Il veut me ouais. parler d'action Haïti, voir. Aurais-tu l'énergie de mettre le, tu fait que il dit, euh, J'aurais un service à te demander. Puis là, je réponds, je fais oui, je suis là, mon dieu, je pense tellement à toi. Pourrais-tu m'acheter six cartes Amazon de 100 pièces puis m'envoyer Mais je peux, je peux <laughs> juste mettre en le contexte les gens qui savent pas. L'école de l'humour, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça. Par contre, on est tous d'accord à 100 Antonio Dilala, professeur hors pair, Génial. être humain, extraordinaire. Ah, est fait que quelqu'un ait pris l'identité d'Antonio dilala pour écrire lit, à des vedettes bon riches. C'est un esti bon scam. Ouais. <laughs> c'est un esti. Bon, bon mais c'est la pas technique. Qui a fait ça, mais c'est la technique. C est, c est <laughs> le a... Je respecte vraiment la personne. C'est les cartes qui appelle, Amazon. Il y au monde en disant je veux des cartes Amazon. <laughs> non, mais pro... le... c'est le problème, c'est les cartes Amazon. C'est là le problème. C'est un gros scam, il est super intelligent. Ah, euh... oh, Moi, je... je veux tout un pour oh. toi. Je peux-tu avoir 600$ de cartes Amazon? Ah non, c'est là bien. le problème. Il aurait fallu faire, et tu guimes de me faire un transfert intérieur. On l'aurait tout fait. Tu sais là, ouais. je suis à l'hôpital, ma femme est à l'extérieur ouais. du pays, dans, dans sens, là, tu sais, dans fais... le sens. Est-ce que ça arrive, ça? Ben eux? oui, j'ai écrit, il dit oui, oui, j'étais hacké. Euh, on a eu un courriel de, 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 de Christo de l'école qui a fait comme ceci est un scam. Le... Oh, mm -hmm. J'ai pleuré de rire quand j'ai vu, là, pouvez-vous m'envoyer, me tu sais, <laughs> <c> <laughs> six cartes de 100 Amazon, m'envoyer une photo du code, j'étais là, ah! Hey. Pas sûr, man. Pourquoi tes traitements C'était ouais. pour payer ses traitements. Ah oui, à grand Amazon. Comme si. J'imagine ouais, que ça, met aux... ça marche de même à l'hôpital. Oh, ouais, ouais. C'est extraordinaire. Euh, L'école de l'humour, c'est quoi les cours que, que mettons on pourrait en passer Singe. L'affaire. Je me rappelle d'une affaire dans le cours de singes. Ça s'appelait pas bon de même. Là. Ce qui est dommage, ce qui est une super heure. Mais pour vrai, le cours de singe serait là. <laughs> non, mais il y avait un gars. C'est des gars de l'humour, des fois. Mais dis-donc, les dons de comiques. Ouais, Le ouais. cours de singe, non, C'était pas, pas le cours de singe, <laughs> là. C'était pas seulement ça ben ben s'appelle. Non, c'était le cours d'anthropologie. Oh. Oui, c'est mais c'était un primatologue qui venait de jaser. Puis il, avait, il nous avait dit puis, que... pauvre pour là, qui, qui s'est présenté à l'école de Mais, Mais c'était intéressant. Comme le, le rire du chêne et non du chêne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ouais. ça. Celui, que, celui qui est naturel. Ouais. celui que tu fais <laughs> comme Parce je fais que même tôt, c est, c est ouais. chez les singes, il y a un rire du chêne. Il vient des tripes. Il oui. est incontrôlable. Mais même chez les singes, il y a des noms du chêne. C'est un sont rire semblant. social ouais. par euh, classement Polytesse. hiérarchique, par politesse, par euh, etc. Ça fait que ça, les chênes, chez les singes... Ça Et existe. ça c'est très bien, c'est intéressant. Et puis que les bonobos font des orgies. C est, c est, c est les que bonobos, je ouais, faut pas mal. Ils sont agressifs, puis ils faut Agressifs, mais ça faut... Wow. Il y a des gars de singe, hein Ben oui. Ben oui, de, de clan, puis de. Oui. Euh, quel autre cours Fait que les, les singes sont gardes. Ouais, mais ben c'était un cours sur deux ans là, tu sais. C'était pas un cours complet, c'était un après-midi là. T'sais. fait que oui, je le garderai. Là, ok, le clown, vous gardez-tu Non. Okay. C'est plus l'école de théâtre d'après moi. Ouais. peut-être, Avec Guillaume Chouinard, c'est intéressant sur l'espace, justement le cours de mouvement pour, pour habiter l'espace, mais j'ai trouvé que c'était peut-être pas une affaire d'une session. Mais plus genre après-midi. deux cours. Mettons deux fois trois heures. Puis là, là tu sais, on habite l'espace avec, puis parce on passe à un autre appel. Ce qui moi ce qui me fait mourir de rire avec de l'humour, c'est que c'est vraiment en fait pour des gars-là. Fait que tu apprends à gérer l'espace, puis occuper l'espace, puis tu fais un set. À côté, Au sur le mur bar, du fort. Ah. Ça. Ah, ouais. pas oui, oui, 100 Oui, <laughs> oh, ouais, complètement. Exact. T'es comme, je veux bien essayer d'être mauve, là, dans mon énergie, là, mais... Co Il y de... a huit personnes, puis je qui qu'ils toutes. <laughs> je veux bien, là. Au début, quand tu savoir l'humour. Dès Open Mic, tu sens pas qu'ils taisent toutes. Ils taisent. Tout le monde a été ouais. Mic. Ouais. Bah, euh, non, puis j'aime euh, beaucoup Hélène Parent. J'ai adoré, mais je je sais pas, là... Moi, j'adore Hélène Parent. Pas pour ses enseignements, mais si tu aimes l'humour, ça te nourrit beaucoup. Cette femme-là ouais, sentait l'huile d'orégan. <laughs> elle était tout le temps à moitié en split. J'ai tout aimé de cette femme-là. C'est une femme fantastique. Puis elle me tout le temps Je sais pas si tu neiges ou pas. Puis je genre, ouais. je, je t'ai dit mon nom. Mais tu sais, moi, là, 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 là. Puis t'es obligé de faire une performance après ça devant tout le monde. Comme, oh, ouais, mais ouais. tu l'as bien. J ai, j ai, j ai, moi, ça. Mais j'aimais ça, par exemple, à l'eau cours de chant. C'était drôle. On riait. Ouais. Mais tu sais, c'est à quoi ça sert vraiment pour les humoristes? Euh, moi, quand mmh. j'ai pris des cours de voix par moi-même, ça a changé ma vie. Par contre, ça change ta vie quand tu commences à faire des heures puis du voyage. C'est ça, moi je pense que c'est quelqu'un. Quand tu fais des 8 non, minutes, que quelqu'un. trois semaines, ta voix, tu peux la préserver. Moi, moi je pense que c'est quelqu'un mmh. que tu. Euh, qui pourrait. mettons, ils disent, tu fais encore là un 3 heures avec elle, puis elle t'explique un peu tout ça, des techniques de respiration, puis tout ça, puis elle fait, voici ma carte, si jamais à un moment donné vous avez un show d'une heure et demie, puis vous faites quatre, trois semaines, puis vous commencez à perdre la voix, vous vont être là. T'sais. Je comprends. Ah ouais. Mais euh, moi, je me rappelle rien du cours de vous à part. Faut, faut, apparemment, il faut se mettre pas mal d'ail dans le trou de cul. Là. Ah, il disait ça beaucoup, ouais. Hein. C'est ça, ah, je elle me rappelle. Il m'a beaucoup d'anus. C'est pour, pour ça que je l'appréciais autant. À un moment donné, ouais, Joe ouais. Guérin il avait mal à la gorge, puis il a mis une, une goutte d'huile d'origan puis il a dégueulé. Ah, <laughs> ouais, hein. C'était ben trop fort. Son affaire, ça, ça goûte à du spaghetti direct. Ah, ouais. Il a dégueulé fort, là. Ça, c'était une nettoyeuse d'énergie, hein. Ouais. T'as aimé le code de l'humour? Ouais, ouais. Moi aussi, j'aimais ça. Ouais, j'aimais ça. Ouais, j'aimais ça. Cool ouais j'ai aimé ça puis aussi moi j'ai j'ai grandi dans la ville de Québec la capitale nationale fait que euh... ça t'a préparé à Montréal ben de m'en venir à Montréal pour faire ça ça m'a plu tu sais ben oui c'est ça c'est ça Plutôt... pour les rencontres aussi les rencontres ouais, les gens le, tu c'est du monde avec qui on travaille encore aujourd'hui puis qu'on est content t'aimes-tu Montréal ouais j'aime Montréal okay. je préfère Longueuil par contre c'est bon, bon à... <laughs> <laughs> eh ben... pour vrai les gens qui disent ça il y a toi puis il y en a qui sont bien Longueuil. L'orgueil, oui, oui. c'est sec, man. Pas loin de Montréal. Je, je sais pas si c'est sec. Le vieux longueuil, c'est le fun. Le vieux longueuil, c'est le fun. c'est pas. Attends, Julien qui a grandi là. C'est le C'est le vieux longueuil, Julien. J'ai grandi là, j'ai eu un. Mon premier appart, c'est dans le vieux longueuil. C'est dégueulasse, là. Ah, C'est le bord de la 132, Non, mais lui, il est peut-être jeune et célibataire. Nous, on est. On a abandonné. Non, mais t'es dans le hood, mais avec des. C'est pas le hood. Le fun. C'est des vieux, genre. C'est. Je sais pas, là. Le monde se crée après ses balcons parce que. C'est pas comme faux, genre. moi, mais tu sais, c'est une belle première maison. Mais après, je suis d'accord. Tu sais, tu veux déménager, c'est une première maison, c'est pas loin de l'île. C'est Saint-Lambert, tu payes le cadre du prix. Ouais, Saint-Lambert, ok, mais c'est pas le vieux Longueuil. Non, mais Saint-Lambert, c'est hors de prix. C'est pénible, Saint-Lambert. Saint-Lambert, c'est pas sick. C'est pénible. Ça, c'est pas sick, je suis d'accord. Saint-Lambert, c'est pas sick. Non, c'est très c'est bourgeois quand même. C'est très, oui, c'est pour vrai. là. Mais les kids qui grandissent dans Saint-Lambert, c'est pas genre, des médecins, pis tout. C'est qui alors? Parce que c'est du monde qui ont des parents riches, mais qui se tiennent quand même à l'école publique de Longueuil ou whatever, si ah, je sais plus du nom. Là. <laughs> ça, fait fait quoi? Que ça fait un drôle de mélange. Ça fait du monde qui se calme. Oh, wow! Parce qu'ils ont, ont la, la mentalité businessman puis ils veulent faire de l'argent, mais ouais. ils n'ont pas les ressources. C'est peut-être lui qui a fait Anthony Zilalar, c'est un jeune de 14 ans ouais. de Saint-Lambert ouais. qui ouais. veut plaire à ses amis haïtiens. Wow. C'est clairement un Québécois qui a fait le scam de. Je n'as ai, ai oui. pas aimé ça, que je dis pas, ces amis haïtiens, c'est correct. Non, j'aimais ça. Propose de la théorie à l'école du monde. <laughs> ça doit être des haïtiens, c'est ça la théorie pour, pour ce modo. Ça doit être des haïtiens. <laughs> il est fou, il est fou comme ça. Ouais, merci d'avoir été là. C'est tellement plaisir, j'aime toujours ça venir, même quand Phil n'est pas là. Toi, ouais, ben désolé, être... soyez pas fâchés après moi. C'est pas de ma faute. P.A.P.O. Ouais, semble. exact, exact. Ça ressemble. Pierre-Olivier, de... Pierre toi, c'est pas Philippe-Olivier. Je serais jamais euh, capable de chausser les, les, les chaussures de, de Philippe-Audrey. Mais non, sont tellement chères puis cirées puis pointues en cuir. Exact. Tu serais pas bien. Tu serais pas bien. Non, c'est ça. Un, ça ferait mal comme dans le haut du pied. Exact. <rire> non, <rire> il, met, là, il va prendre les nerfs, il met jamais des tuyaux de même. Non, je sais, mais c'est une blague, là, que, tu tu connais justement Phil, pis tu sais qu'il y a des jokes d'habillement, puis c'est pas vrai. Pense non, 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 je connais Phil, il aurait pas aimé ça. <laughs> Est-ce que tu penses sincèrement qu'il va écouter euh, le podcast? Impossible. C'est ça. Impossible. Exact, exact. Impossible. Exact. Là-dessus, deux princes. Deux princes et une princesse.